La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle le débat sur le thème « Contrer le recul de la culture scientifique à l'école au sein de l'État et dans nos politiques publiques ». La conférence des présidents a décidé d'organiser ce débat en deux parties. Dans un premier temps, nous entendrons les orateurs des groupes, puis le gouvernement. Nous procéderons ensuite à une séance de questions-réponses. Et la parole est donc à Madame Valérie Rabault pour le groupe Socialiste et Apparenté. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, le groupe Socialiste et Apparenté a souhaité inscrire ce soir un thème peu habituel dans cet hémicycle, il faut bien le dire, car nous souhaitons partager avec vous nos inquiétudes sur le recul de la culture scientifique à l'école au sein de l'État et au sein de nos politiques publiques. Et donc ce débat est politique, car science et démocratie sont liées. En 1988, dans sa lettre aux Français, François Mitterrand écrivit, je le cite, « Si la France veut réussir, la recherche doit devenir l'enfant chéri de la République ». Il ajouta même que la recherche est la marque même de l'esprit de l'homme. Je pense aussi aux mots de l'historien Jean-Luc Chappé dans « La révolution des sciences » qui disait, et je cite à nouveau, que sans les sciences, la révolution n'aurait sans doute pas été ce grand moment de bouleversement et d'invention d'une société nouvelle. Alors pourquoi considérons-nous que la période actuelle est celle qui marque le plus fort recul de la culture scientifique? Je vais vous donner quelques exemples. Je reconnais, Madame la Ministre, que c'est un peu injuste, parce que vous êtes sans doute l'une des rares au gouvernement à défendre la science. Néanmoins, en tant que ministre, il vous revient aussi d'endosser les responsabilités du gouvernement. D'abord, sur les expressions publiques des ministres. Jamais on n'a entendu auparavant des ministres remettre en cause, directement ou indirectement, la science. Le dernier exemple en date, et date d'avant-hier, avec le ministre de l'Agriculture, qui demande à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, je cite, de changer de méthode, pour évaluer la dangerosité d'un herbicide. Autre exemple, en 2018, le porte-parole du gouvernement a contesté les chiffres de l'INSEE, pas tant sur les chiffres que sur la méthode de calcul. Là aussi, c'était du jamais vu. Alors je crois que ça a conduit, lors des auditions sur la mission d'enquête sur EDF, l'ancien haut-commissaire à l'énergie atomique a déclaré dans notre Assemblée, le 29 novembre 2022, qu'il y a un problème qui réside principalement dans l'inculture scientifique et, je vais le citer, je me place dedans, technique de notre classe politique. Une fois qu'on a parlé des expressions des ministres, on peut parler des faits. C'est d'abord le niveau de nos élèves dans les matières scientifiques qui ne cesse de reculer. Je vous l'accorde, Madame la Ministre, ce problème n'est pas récent, mais quand même, il y a eu une accélération de la dégradation de ce niveau. Il y a 20 ans, 64% des élèves français atteignaient au moins le niveau élevé en mathématiques. On est tombé à 11%. On est passé de 64% à 11%. Toutefois, Madame la Ministre, il faut quand même constater que le gouvernement n'a pas fait grand-chose depuis 2017 pour enrayer ce recul. Vous êtes le gouvernement qui a fait reculer l'enseignement des sciences en France avec votre réforme du bac. Ainsi, entre 2018 et 2020, le nombre d'heures de mathématiques en première et terminale a reculé de 20%. Et le nombre d'élèves en terminale qui avaient plus de 6 heures de mathématiques par semaine est passé de 200 000 en 2019 à 100 000 aujourd'hui. Et sur les 200 000, il y avait 96 000 filles. Aujourd'hui, nous sommes tombés à 33 000. Ailleurs, au primaire, les indicateurs sont également préoccupants. Toujours sur les faits, Madame la Ministre, vous êtes le gouvernement qui a appauvri l'État en compétences scientifiques. Ainsi, il a fallu toute la mobilisation de la société civile pour que le président de la République renonce à la suppression des corps techniques de l'État. Et autre donnée très inquiétante, entre 2011 et 2019, le nombre d'ingénieurs dans la fonction publique de l'État a baissé de 3 000, passant de 20 000 à 17 000, alors que dans le même temps, le nombre d'agents fonctionnaires de l'État a augmenté de 25 000. Alors tout ceci a des conséquences sur ce recul a des conséquences sur la société française. En janvier dernier, l'IFOP a publié un sondage qui délivre quelques enseignements. Ainsi, je cite, seul un jeune sur trois estime aujourd'hui que la science apporte à l'homme plus de bien que de mal, alors qu'ils étaient 55% à le penser il y a 50 ans. Et puis il y avait aussi la question qui était posée sur savoir si l'option d'une terre plate pouvait être retenue. Et bien là aussi, le pourcentage de personnes susceptibles de le penser augmente. Les choix que nous faisons collectivement pour le futur, Madame la Ministre, sont majeurs.
Et aujourd'hui, je vais en citer un seul, puisque le temps m'est compté, sur laquelle la France va être interrogée. C'est le CERN. Alors évidemment, ça peut paraître très loin de nos préoccupations quotidiennes, et j'en conviens. S'interroger sur l'origine de la matière est assez loin de nos préoccupations quotidiennes, j'en conviens. Pourtant, c'est grâce à cette interrogation qui a animé les travaux du CERN que nous avons des IRM de plus en plus performants. Quand la première radiographie du cerveau en trois dimensions a été réalisée grâce aux travaux du CERN, que des avancées sur les recherches sismiques, là aussi c'est notre quotidien, en tout cas sur des pays proches de nous, ont pu être obtenues, et que le web, dont nous ne pouvons nous passer, a été créé. Aujourd'hui, c'est à celles et ceux qui sont en responsabilité, Madame la Ministre, c'est-à-dire à vous, de lancer et de déployer les efforts nécessaires pour que la France cesse de reculer. Bientôt, il sera trop tard. Je vous remercie. Merci, Madame Rabault. La parole est à Madame Agnès Carrel pour le groupe Horizon et Apparenté. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. La commission des affaires culturelles et de l'éducation a eu l'occasion en janvier dernier d'auditionner plusieurs scientifiques et spécialistes sur l'enseignement des mathématiques et des sciences. À titre personnel, avec ma collègue Béatrice Bellamy, nous avons reçu le vice-président de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Tous nous ont fait part de leur inquiétude sur les performances dégradées des élèves et des étudiants en mathématiques et en sciences, sur le manque de scientifiques dans un avenir proche, sur le faible pourcentage des filles dans les filières scientifiques. Toutes ces constatations ont un impact sur l'économie de notre pays et pour l'avenir de nos entreprises. L'an dernier déjà, des représentants de la communauté scientifique, technique, éducative et de recherche en mathématiques et en sciences alertaient dans une tribune du Monde le gouvernement sur les enjeux de sociétés actuelles, d'identification des problèmes de formation qui se posent pour ces matières et en analyser les causes. Mais pourquoi cette problématique de l'enseignement des matières scientifiques persiste en France au gré des réformes avec des hauts et des bas? Rappelons tout d'abord, pendant longtemps, ce sont les lettres classiques qui ont été au principe même de l'éducation des élites, les sciences et les mathématiques étant réduites à la portion congrue. C'est la période gaullienne qui marquera un tournant dans la place des maths et des sciences dans la formation des élèves. En vertu du décret du 10 juin 1965, les chemins conduisant au baccalauréat se spécialisent dès la classe de seconde avec quatre séries générales, le fameux A littéraire, B sciences éco et sociales, le C des mathématiques et le D des sciences expérimentales. Dès 1983, le rapport sur les seconds cycles a souligné que les études à dominante scientifique, détournées de leur finalité, servent en fait à définir une élite. Depuis cette date, tous les rapports sur le lycée, tous les projets de réforme ont voulu rééquilibrer les filières et les séries en luttant contre la prééminence du bac scientifique constitué en voie royale. Après la dernière réforme des lycées, et selon des chiffres du ministère, en 1921, les mathématiques auraient perdu 37% de leurs élèves en terminale. Ce constat vaut tout autant pour les sciences physiques et chimiques, où la diminution serait de 36%, et encore davantage pour les sciences et vie de la Terre, les SVT, qui auraient chuté de 50%. Les conséquences sont donc importantes. On sait d'ores et déjà qu'il manque plus de 15 000 ingénieurs chaque année. Cet écroulement s'explique notamment par le choix d'options en nombre réduit. Entre la première et la terminale, les élèves passent désormais de 3 à 2 spécialités et panachent bien moins les matières. Au risque d'absurdité, ainsi les futurs biologistes au sens large, agronomes, médecins, vétérinaires, se cramponnent aux matières de sélection, les mathématiques et la physique-chimie, au détriment des SVT. Au moment où les crises climatiques, sanitaires et de la biodiversité deviennent les enjeux majeurs, l'enseignement des logiques du vivant et de la Terre se réduit drastiquement. Le déficit scientifique au lycée affecte tous les élèves. Certains élèves littéraires peuvent n'avoir que 7% d'heures de sciences. Comment avoir les clés pour comprendre les changements actuels avec un tel pourcentage de sciences dans leur apprentissage? Il est temps de remettre à plat l'enseignement des mathématiques et des sciences des plus petites classes, et cela commence par la formation des professeurs des écoles, qui souvent issus de formations littéraires, qui n'ont en majorité ni formation initiale, ni aucune formation continue pour enseigner ces domaines. Ensuite, je plaide pour l'interdisciplinarité, comme certains scientifiques d'associations, comme Biogé ou La Main à la Pâte, qui œuvrent pour revaloriser l'enseignement des maths et des sciences. On peut utiliser une pomme pour peindre, pour disserter son aspect, pour son parfum, pour étudier son rôle dans l'histoire. Bref,
L'interdisciplinarité n'est pas une juxtaposition. Chaque discipline doit donner du sens et des outils aux autres. Le cerveau des élèves n'est pas compartimenté, mais unique et intégré. Il est mutilé si tous ces outils cognitifs ne se répondent pas entre eux. C'est certainement ainsi que nous lutterons contre les choix de ces jeunes filles qui, dès le plus jeune âge, excluent de leur culture les matières scientifiques. La transversalité est sûrement un de ces leviers. La France doit aujourd'hui se doter de plus de mathématiciens et plus de scientifiques pour répondre aux enjeux de demain dans un monde très concurrentiel. C'est aujourd'hui encore plus vrai qu'hier. Ce monde de demain ne peut se construire que dans une société où chacun aura une vraie culture scientifique pour relever à son niveau les défis environnementaux. Jacques Chirac disait, à juste titre, « La maison brûle et nous regardons ailleurs. Il est urgent peut-être de regarder vers les maths et les sciences pour élever notre nation. » Merci. Merci, Madame Carrel. Merci. La parole est à Madame Karine Lebon pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Bonsoir. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, le savant n'est pas l'homme qui fournit les vraies réponses, c'est celui qui pose les vraies questions, disait Claude Lévi-Strauss. Ce soir, nos collègues du groupe socialiste ont soulevé une vraie question. Comment contrer le recul de la culture scientifique à l'école, au sein de l'État et dans nos politiques publiques? Je ne prétends pas ce soir apporter une réponse complète, mais je soulèverai d'autres questions qui en découlent. La culture scientifique doit irriguer dès le plus jeune âge. Il ne s'agit pas seulement d'enseigner les matières scolaires, mais bien de construire un certain nombre de réflexes qui permettent, tout au long de la vie, d'avoir les outils pour analyser, comprendre, décrypter des informations, même sans être spécialiste. La maîtrise des bases de la méthode scientifique est incontournable pour évoluer dans notre société. Connaître la différence entre corrélation et causalité, par exemple, est indispensable pour construire un raisonnement ou traiter une information. C'est par exemple le cas en matière d'égalité femmes-hommes, qui se traduisent aussi en matière de sciences. Pourtant, et cela nous interroge, les statistiques relatives à l'accès au savoir scientifique révèlent une inégalité criante entre les genres. Les inégalités entre filles et garçons au niveau de l'apprentissage des mathématiques ne cessent de se creuser au fil de la scolarité, avec comme point culminant les études supérieures. Les filles n'étaient en effet que 30% à présenter la spécialité mathématique au baccalauréat, contre 54% des garçons. Elles sont ensuite très minoritaires dans les formations liées aux mathématiques, alors qu'elles représentent 55% des inscrits dans l'enseignement supérieur. Quelle en est la cause? Nous avons désormais les données scientifiques, notamment grâce à une étude de l'INED publiée en septembre dernier, qui illustre que dès le plus jeune âge, au CP, les inégalités en matière d'apprentissage des mathématiques se construisent. Alors que les filles réussissent globalement mieux dans toutes les autres matières, les mathématiques font exception dès l'âge de 6 ans, alors qu'en maternelle, cet écart n'existe pas. Comment l'expliquer? Il ne s'agit pas de cause innée. En effet, cette différence ne se retrouve pas dans tous les pays du monde. Il s'agit pour beaucoup de stéréotypes de genre qui se transmettent de génération en génération, souvent d'ailleurs de manière inconsciente. Qu'il soit du fait des parents ou des enseignants, ce conditionnement, si minime qu'il puisse être au CP, entraîne des conséquences qui ne cessent de s'aggraver au cours de la vie. De plus, cette question renvoie à la représentation que se font les jeunes filles et garçons de leur place dans la société et des métiers, ce qui structure les choix en matière de scolarité. C'est toute une vision patriarcale qu'il convient de déconstruire. Il nous revient alors la mission de mettre en place les politiques publiques pertinentes pour y remédier. En premier lieu, en accompagnant au mieux les professeurs, en les formant à ces enjeux, en leur donnant le temps suffisant à consacrer à chaque élève, ce qui implique des effectifs réduits et des moyens suffisants. L'enjeu autour de la culture scientifique et les préoccupations qui en découlent ne concernent évidemment pas que les filles, car au-delà des différences de genre, le niveau global en sciences des élèves, des futurs citoyens, est loin d'être satisfaisant. Si la suppression des mathématiques, notamment du tronc commun, était manifestement une idée très mauvaise, l'augmentation du volume horaire de sciences à l'école n'est pas l'unique solution. Dans un rapport sur les stéréotypes de genre publié l'année dernière, notre ancien collègue Gaël Le Boeck et moi-même avions préconisé l'instauration de quotas dans les classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques ainsi que dans les écoles d'ingénieurs. Cette recommandation pourrait-elle trouver un écho favorable auprès du gouvernement? Il convient également de continuer de travailler sur la manière avec laquelle les sciences
sont enseignés. C'est un travail que beaucoup mènent déjà, mais qui doit pouvoir s'amplifier. L'une des pistes les plus souvent traitées par les professeurs est de rendre les sciences plus concrètes dès le plus jeune âge, plus applicables, plus transversales aussi, en irriguant l'ensemble des matières. Ces réflexions doivent continuer de trouver des traductions dans les maquettes pédagogiques. Mais tout ceci ne peut se faire facilement dans le contexte d'une école publique fragilisée. L'éducation nationale traverse une crise de recrutement de professeurs et particulièrement de professeurs de mathématiques. Les annonces de fermeture de classes, en outre, mobilisent les équipes pédagogiques et les familles qui s'inquiètent d'une école publique au rabais. Revaloriser les sciences, c'est aussi revaloriser celles et ceux qui portent leur apprentissage, du primaire au supérieur. De même, revaloriser les sciences, c'est revaloriser la recherche, en particulier publique, de notre pays, en garantissant la liberté de recherche et des financements pérennes pour les équipes en lieu et place du tout appel à projet. Nous appelons à revenir sur la loi de programmation de la recherche votée le mandat précédent, d'ores et déjà caduque. Madame la ministre, pas de culture scientifique à l'école ou dans la société sans un service public de l'éducation renforcé. Je vous remercie. Merci, Madame Lebon. Merci. Et la parole est à Monsieur Michel Castellani pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Bonsoir. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'avenir appartient à ceux qui apporteront des réponses aux défis que l'avenir nous réserve par le biais scientifique. Que l'on parle de sciences techniques ou de sciences humaines, c'est à l'aune de ces dernières que les plus grands progrès de l'humanité ont systématiquement été réalisés. Cependant, un mal grandissant couve et nous devons impérativement nous en prévenir avant qu'il soit trop tard. Face à la révolution des pratiques informatives, notre jeunesse commence à douter. 33% des jeunes pensent que la science apporte plus de bien que de mal en 2022. Ils étaient 55% en 1972. C'est un recul au moins regrettable. Contrairement à leurs aînés, les jeunes d'aujourd'hui refusent de croire aux vérités qu'on leur assène et se réfugient volontiers dans des théories alternatives. Pour un jeune sur cinq, les Américains ne sont pas allés sur la Lune. Pour un sur trois, les êtres humains ne sont pas issus d'une longue évolution des espèces. La culture scientifique est en baisse et je crains que nos actions n'aillent pas dans le sens d'un rétablissement de la situation. Je regrette personnellement la suppression des filières lors de la dernière réforme du baccalauréat. Certes, la filière scientifique avait une image prestigieuse et peut-être même élitiste, mais elle avait le mérite d'attirer des élèves motivés vers un cursus résolument tourné vers les sciences. Aujourd'hui, les chiffres nous indiquent que même si elles restent prisées, les matières scientifiques attirent de moins en moins de lycéens. Pour preuve, les mathématiques n'étaient plébiscitées que par 37% des élèves de terminale en 2022, contre 41% l'année précédente. Au-delà, nous constatons que le nombre d'heures globales d'enseignement de la matière a chuté de 18% entre 2018 et 2020. Je crois pour ma part que pour redonner une certaine appétence à nos élèves, il faudrait non seulement travailler sur les matières dites classiques, mais également ouvrir nos cursus à des domaines plus modernes, tels que les champs d'études liés au numérique, à la robotique ou à l'environnement. Également, nous constatons que là où il y a des partenariats entre établissements scolaires et associations à visée scientifique, nos jeunes s'épanouissent. Je ne peux qu'appeler de mes voeux la mise en place de procédures simplifiées pour l'établissement de tels partenariats. Parler de science, c'est également parler de sciences humaines. Là encore, je regrette que ces dernières soient largement reléguées au second plan dans le schéma d'études proposé au lycée. Plus globalement, que l'on parle des sciences techniques ou sociales, les constats que j'évoque doivent nous amener à une question simple. La formation proposée est-elle adaptée à une bonne insertion universitaire et répond-elle aux besoins actuels et futurs du pays ? Domaine important, évidemment. Malheureusement, les craintes sont de plus en plus grandes car les orientations que nous prenons ne semblent pas aller dans le bon sens. Le débat que nous avons aujourd'hui va au-delà de l'école. Il concerne aussi l'État et nos politiques publiques. En effet, une révolution est également à mener au sein de notre appareil d'État. Nous évoluons dans un monde incertain où les crises se multiplient et sont de nature particulièrement aléatoire. Face à ce constat, la préparation est indispensable. À cet effet, il semble indispensable de renforcer nos capacités de prospective, de programmation et de planification.
Je crois fermement que cette volonté doit se traduire par un renforcement des moyens humains et matériels de nos établissements publics spécialisés. Nos budgets doivent s'adapter en conséquence. Ce n'est pas ce que nous avons vu lors des derniers débats budgétaires, je veux le rappeler, au sein de cette Assemblée. Les investissements que nous consentirons en la matière seront autant d'argent que l'on ne versera pas à des cabinets de conseil extérieurs qui, sur le long terme, coûtent bien plus cher à nos finances publiques. Quant à l'application des sciences sociales dans la conduite de nos politiques publiques, au risque d'être polémique, elle devrait se traduire en premier lieu par une révolution copernicienne de nos modes de décision. Je crois qu'une meilleure prise en compte des corps représentatifs est indispensable, l'actualité nous le rappelle. Les collectivités territoriales, les parlementaires, les forces syndicales et autres organismes de représentation, les conventions citoyennes, ne sont pas là pour ralentir le pays, mais bien pour l'aider à aller plus loin. Seul, on va certainement plus vite, mais ensemble, on va bien plus loin. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Luc Fugit pour le groupe Renaissance et pour 5 minutes. Bonsoir. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, en tant que citoyen député, mais aussi scientifique de formation et universitaire de métier, je me réjouis qu'il nous soit donné l'occasion de débattre autour de la culture scientifique. La culture scientifique, technique et industrielle constitue un enjeu sociétal majeur, alors que les fausses informations prolifèrent, y compris parfois dans nos débats. Il arrive que des approximations ou même des contre-vérités scientifiques soient reprises pour alimenter certaines positions politiques. C'est regrettable. Sachons nous appuyer sur la science plutôt que sur des croyances. Plusieurs enquêtes ont mis en lumière le détachement croissant d'une partie de la population, et plus précisément des jeunes, à l'égard des faits scientifiques. Une enquête réalisée par l'Institut d'études opinion et marketing en octobre et novembre dernier nous dresse un tableau dépréciatif. Par exemple, 36% des jeunes interrogés pensent que le vaccin contre la Covid génère des protéines toxiques qui causent des dommages irréversibles dans les organes vitaux des enfants. 32% des jeunes interrogés considèrent que le réchauffement climatique est avant tout un phénomène naturel contre lequel on ne peut rien faire. Ces chiffres alarmants montrent la nécessité du travail d'accès à la culture scientifique qu'il reste à faire. Cela passe tout d'abord par l'école. La culture scientifique fait partie intégrante du socle commun de connaissances que tout élève doit maîtriser afin de mieux appréhender le rôle de la science et de développer un regard critique éclairé. Nous avons déjà entrepris ce travail. C'est par exemple notre majorité qui a soutenu, lors de l'étude de la loi de programmation de la recherche en 2021, l'allocation de 1% du budget de l'Agence nationale de la recherche pour développer la diffusion de la culture scientifique. Notre groupe se félicite que le ministre de l'Éducation nationale, M. Pap Ndiaye, ait annoncé le retour de l'enseignement obligatoire des mathématiques à la rentrée 2023 dans le tronc commun pour tous les lycées, de tous les lycéens de la filière générale dès la classe de première. Une autre enquête récente menée par l'Université de Lorraine sur le rapport des Français à la science montre qu'à la question « À qui faites-vous confiance pour dire la vérité sur le coronavirus ?», les Français répondent en citant très majoritairement les médecins, les scientifiques ou l'OMS. Et pour cette même question, 7 Français sur 10 disent ne pas avoir confiance dans les élus. Dès lors, nous devons plus que jamais nous inscrire dans une démarche politique éclairée par la science pour retrouver cette confiance. Tout d'abord, ici au Parlement, appuyons-nous sur les travaux effectués par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'OPEXT, dont plusieurs membres sont présents ce soir dans l'hémicycle. L'OPEXT, où siègent 18 sénateurs et 18 députés, représentant toutes les sensibilités politiques, produit de nombreuses études et formule en lien avec son conseil scientifique plusieurs recommandations que nous pourrions mieux et plus utiliser. En effet, une meilleure prise en compte des données scientifiques permettrait d'éviter certaines confusions. Je pense par exemple à celle sur les zones à faible émission mobilité, dites ZFEM, où nous avons entendu ici à l'Assemblée nationale des parlementaires confondre l'impact du CO2 sur le climat avec celui des oxydes d'azote sur la santé respiratoire. Rappelons aussi que nos politiques publiques de santé sont fondées sur des apports scientifiques tangibles. Lors de la crise de la Covid-19, c'est bien le Haut Conseil de la Santé publique, c'est-à-dire des médecins, des chercheurs et autres experts, qui apportaient une aide à la décision publique.
Lorsque nous débattons de transition écologique, nous nous appuyons, entre autres, sur les travaux et propositions du GIEC, dont les données et recommandations alimentent nos orientations politiques. Pour construire notre trajectoire de sortie des énergies fossiles, en s'appuyant, comme le préconise le GIEC, sur le nucléaire et les énergies renouvelables, l'apport de la connaissance scientifique est fondamental. C'est une ambition que toute la société doit partager. Dans cet objectif, nous nous réjouissons que le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, M. Stanislas Guérini, ait mis en place depuis quelques mois un plan de formation à la transition écologique des cadres de la fonction publique. Cependant, si le gouvernement porte l'ambition d'une meilleure diffusion de la culture scientifique, démarche que nous soutenons, il reste encore beaucoup à faire. Le député Philippe Berta, ici présent, dans son rapport pour avis sur la partie recherche et enseignement supérieur du projet de loi de finances 2023, dresse un bilan mitigé des politiques menées en matière de culture scientifique. Aussi propose-t-il une refonte du Conseil national de la culture scientifique, technologique et industrielle, dont le rôle est d'organiser un dialogue constant entre la communauté scientifique, politique et citoyenne. C'est une idée que je trouve particulièrement pertinente. Une des réponses à cette proposition pourrait aussi se trouver dans l'organisation plus fréquente de conventions citoyennes. Celle pour le climat et celle plus récente sur la fin de vie sont des exemples du lien renforcé qui doit exister entre société civile et politique publique. Alors, Madame la Ministre, notre groupe soutiendra les évolutions proposées en ce sens. Aussi souhaiterions-nous connaître la feuille de route que vous portez pour développer la culture scientifique, technologique et industrielle. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Alexandre Sabatou pour le Rassemblement national et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je cite « Le monde crève de trop de rationalité. Je préfère les femmes qui jettent des sorts plutôt que les hommes qui construisent des EPR. » Ou encore « On consomme dans ITER le quart des ressources planétaires. J'ai oublié le nom, le nobrium, je crois. » Pas de chance, le nobrium n'est pas un métal qui agit dans le processus de fusion nucléaire, c'est un anxiolytique. Ces tristes citations non exhaustives sont la preuve que le recul de la culture scientifique à l'école est arrivé jusqu'au banc de notre Assemblée. Qu'est-il arrivé à la France de Descartes et de Pascal ? Comment expliquer la dégradation de l'école, de l'excellence, le désintérêt pour la culture scientifique ? Le coupable, c'est la gauche. Le manque de connaissances scientifiques en France est le résultat de l'abandon de son enseignement. La gauche a été son fossoyeur à coups de réformes qui, sous couvert d'égalité des chances, ont saboté le principe même de l'institution en appliquant un nivellement par le bas dont les sciences ont été les premières victimes. La méritocratie, qui faisait la gloire de la Troisième République, a disparu au profit de la médiocratie. À la fierté de s'extraire de sa condition par l'excellence, nos dirigeants ont choisi l'égalité dans l'ignorance. Résultat, en 2019, au niveau mondial, dans le classement TIMSS, les élèves français de CM1 ont obtenu en maths le score le plus bas de l'Union européenne. 42 points en dessous de la moyenne. Si nous restons le deuxième pays le plus prolifique en médailles Fields, c'est grâce au parcours d'excellence que représentent les classes préparatoires et les écoles d'ingénieurs, et ce même si une remise à niveau des élèves est nécessaire, tant le niveau en terminale a baissé. Lorsqu'un édifice vacille, il faut toujours en revenir à ses fondations, en l'occurrence l'éducation nationale. L'école est la base, le socle de la connaissance d'une société. Elle doit être la première étape de notre sursaut. Il faut revenir à une école intemporelle qui préserve des vices de l'époque. Une école des savoirs fondamentaux, en y accordant assez d'heures pour que ces savoirs soient transmis, tout en la préservant des querelles de la société. Elle doit former des esprits critiques, libérés des superstitions en tout genre que veulent imposer les religions et les mouvances comme le wokisme qui infestent déjà nos universités. Cet effondrement se poursuit avec Emmanuel Macron qui ne prend pas la mesure du problème. J'en veux pour preuve la réforme du lycée général portée par Jean-Michel Blanquer, qui a entraîné la diminution du nombre d'élèves à profil scientifique de 25% entre 2019 et 2021, mais aussi la proportion de filles en spécialité mathématique qui est passée de 47 à 40% sur la même période, revenant au niveau d'il y a 30 ans. Alors que nous avions besoin de 50 000 nouveaux ingénieurs en 2021, seulement 43 000 ont été formés. Pire, une partie de ces ingénieurs que nous formons s'expatrie vers des contrées où les perspectives de carrière et de rémunération sont bien plus attractives qu'en France.
Ils sont tellement nombreux en Californie que l'on s'y réfère en parlant de French Mafia. Ceux qui inventent et développent les nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle, sont français. Leurs études ont été payées par le contribuable français, mais ce sont les Américains qui en récoltent les bénéfices. La France prend un terrible retard sur les autres nations. La recherche et l'industrie française vont pâtir de cet effondrement du nombre d'étudiants en France. Le rôle de l'État est d'orienter ses enfants vers les métiers utiles pour le bien commun. Nous avons plus besoin d'ingénieurs que d'employés du tertiaire qui font des PowerPoints chez McKinsey. C'est ainsi que nous assurons notre souveraineté et l'avenir de notre industrie qui ne connaît de relance que dans les déclarations du gouvernement. En tant qu'ingénieur de formation, je tiens ici à l'Assemblée nationale à remercier ces professeurs, majoritairement des femmes, qui m'ont donné le goût des sciences et qui m'ont guidé. Je remercie Madame Krier pour m'avoir orienté vers des études scientifiques plutôt que de commerce. Je remercie Madame Le Nain pour m'avoir enseigné la rigueur scientifique. Et enfin, je remercie Madame Garnier pour la qualité de son enseignement et ses précieux conseils. Le plus beau métier du monde, disait Peggy. Après le métier de parent, c'est le métier de maître d'école et c'est le métier de professeur de lycée. Mais alors que les instituteurs se contentent donc de ce qu'il y a de plus beau et qu'ils ne cherchent point à leur tour à expliquer, à inventer, à exercer un gouvernement spirituel et un gouvernement temporel des esprits. Tant que les instituteurs enseigneront à nos enfants la règle de trois et surtout la preuve par neuf, ils seront des citoyens considérés. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Aurélien Saint-Toul pour la France Insoumise NUP et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, collègues, nous sommes appelés à débattre du recul de la culture scientifique dans l'école, au sein de l'État et dans nos politiques publiques. Je remercie nos collègues socialistes de mettre cette question quasiment philosophique à l'ordre du jour. Je veux pour débuter quand même interroger son postulat. Y a-t-il effectivement un recul de la culture scientifique dans notre pays ? À vrai dire, ce genre de notion se laisse mal mesurer et je craindrais de faire preuve d'un peu de paternalisme à l'égard de nos concitoyens. Si j'affirmais que la science recule dans notre pays, on a tôt fait de juger des autres par soi-même ou de faire de sa situation sociale un piédestal d'où l'on jugerait le peuple, voire la foule, pour employer un vocable macroniste. Je ne voudrais pas commettre cette faute contre la méthode. En revanche, je vois, si l'on parle de culture scientifique, deux problèmes à soulever. D'une part, celui des carrières scientifiques elles-mêmes, et d'autre part, l'importance et le crédit que le débat public démocratique réserve à la science. Pour ce qui est des carrières, j'espère qu'un consensus existe entre nous, notre pays ne les met pas suffisamment en valeur. Le nombre des ingénieurs en formation ou en activité n'est pas suffisant pour satisfaire les besoins, et l'indépendance de la France est effectivement conditionnée par sa capacité à former ses ingénieurs, ses techniciens, et aussi, bien entendu, ces ouvriers qualifiés dont les travaux permettront de ne pas dépendre de nos alliés dans le domaine spatial, de la santé, de l'intelligence artificielle, du numérique et bien d'autres encore. Je m'empresse d'ajouter que le problème est d'autant plus grave que ces dernières années, la réforme du baccalauréat décidée par Jean-Michel Blanquer a fait plonger le nombre de jeunes filles engagées dans des voies scientifiques et même si son successeur a annoncé vouloir corriger le tir, pour plusieurs classes d'âge, on le sait que le mal est fait. On peut en tout cas affirmer que la promotion des sciences en France passe nécessairement par une stratégie volontariste auprès des jeunes filles et des femmes, comme cela a été dit par ma collègue tout à l'heure. Mais j'ai dit que les carrières scientifiques ne sont pas assez mises en valeur, cela tient bien entendu aux représentations qui sont véhiculées par de nombreux médias, par l'insuffisance de modèles sociaux que nous voudrions nous donner. Le fait me semble assez évident que les grands savants de notre temps ne sont guère donnés comme des exemples de réussite, et le problème, si vous voulez bien reconnaître que c'en est un, vient de haut. Qu'un futur président de la République exhorte la jeunesse de notre pays à rêver d'être milliardaire plutôt que de devenir la nouvelle Marie Curie, quitte à passer pour rétrograde ou idéaliste, il me semble que cela devra nous interroger. Ce genre de représentation poujadiste, en réalité, ont des conséquences et des causes très concrètes, puisque l'une et l'autre se confondent. En effet, la recherche universitaire dans notre pays est au plus mal.
Depuis 2008 et la réforme de Valérie Pécresse au bas mot, la recherche scientifique est la victime d'un mode de financement par projet qui non seulement asphyxie les chercheuses et les chercheurs et les voue à une forme de précarité, mais aussi conduit mécaniquement à réduire le champ de leurs investigations en couronnant des modes académiques plutôt qu'en confortant les démarches intellectuelles originales. Enjoint à travailler sur des sujets pouvant faire l'objet de publications valorisées et dont les applications à court terme pourraient être lucratives, des pans entiers de la recherche sont ainsi négligés. Comme le dit un adage bien connu, ce n'est pourtant pas en travaillant sur la bougie que fut inventée l'électricité. Je ne m'appesantis pas sur la question de l'utilitarisme et de l'espèce de maccartisme qui a sévi ces dernières années, même au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puisque Frédéric Vidal récemment a reçu un camouflet qui a prouvé que l'enquête qu'elle avait sollicitée sur l'islamo-gauchisme était en réalité qu'une tentative politique démagogique. Et je ne m'attarde pas non plus sur les effets du dogme de l'excellence qui a pour effet, en réalité, d'abaisser le niveau général au profit de quelques têtes de pont de l'Académie française. Dans le même temps, le débat public, lui, est saturé de faux scientifiques qui font de l'ombre au vrai. Depuis plusieurs décennies maintenant, une partie des élites économiques et politiques rêve de fonder son gouvernement sur l'autorité de sachants confirmant les bienfaits de telle ou telle politique. Ce dévoiement de la science en expertise est criant et occulte dans bien des cas le travail patient, méticuleux et même austère de nombreux savants dont les résultats peinent à se faire un chemin jusque dans les cénacles du pouvoir. Combien de temps a-t-il ainsi fallu pour que les rapports du GIEC reçoivent un peu d'écho? Combien en faudra-t-il pour que leurs préconisations soient réellement écoutées? Il y a une question à l'égard du personnel politique, mais également à l'endroit du monde médiatique. La domination écrasante du marché dans ce secteur produit des effets désastreux sur ce qui aurait dû être un moyen d'émancipation des citoyennes et des citoyens. Il suffit de rappeler à cet égard le mot de Patrick Lelay, dirigeant de TF1 bien connu, pour se rappeler qu'il n'en est rien. Ce dernier affirmait il y a déjà plus de 10 ans que son métier c'était la publicité et de vendre à Coca-Cola du temps de cerveau disponible. Cet obscurantisme du business n'a pas fini de nuire à la démocratie et à la délibération éclairée des citoyens. Pour conclure, je veux rappeler bien sûr que l'obscurantisme contre lequel s'expriment les Lumières est polymorphe. Les avatars anciens de la superstition et du fanatisme n'ont pas disparu et prennent parfois des formes violentes. La lutte contre eux repose principalement sur l'exemplarité des œuvres de la raison. Si l'axiome de l'égale dignité des personnes et des esprits n'est pas respecté, si la solidarité impersonnelle dont l'État est l'outil n'est pas réelle, alors les vieilles hiérarchies sociales, les vieux credos qui les fondaient, reprendront aussi du crédit auprès de ceux qui les avaient désertés. C'est à cela que la République doit répondre. Et il y a bel et bien urgence à rendre aux citoyens et aux citoyennes les moyens de leur émancipation. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Patrick Hetzel pour Les Républicains et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, contrer le recul de la culture scientifique, voilà un bien vaste programme. Avant tout, je voudrais pour un tel sujet ici rendre hommage à des visionnaires et des précurseurs en la matière. Je pense plus particulièrement aux 3 scientifiques de métier qui voulaient que l'école rende justice à la joie d'apprendre et à la curiosité des jeunes enfants en convainquant les professeurs de classe primaire d'amener leurs élèves à faire de la science et à mettre eux-mêmes la main à la pâte. Cela devenait alors source de joie pour l'enfant comme pour son maître. Vous les aurez reconnus, il s'agit de Georges Charpak, prix Nobel de physique en 1992, de Pierre Lena, astrophysicien, et d'Yves Quéret, physicien. Tous 3 membres de l'Académie des sciences. Ce trio fondateur de l'association La main à la pâte a joué un rôle absolument essentiel pour remettre les sciences en phase avec l'enfant, avec son désir profond de découvrir et de comprendre, et en phase avec la volonté des enseignants pour leurs élèves, leur faire aimer l'école et les sciences. Ils ont montré qu'il n'y avait pas de remède miracle pour faire aimer les sciences, mais qu'en tout cas, il existait des méthodes et des approches permettant d'inverser la tendance du recul de la culture scientifique dans notre pays. Ma première question est donc très simple. Pourquoi ne pas développer davantage encore tout ce qui est proposé par cette formidable association La main à la pâte? Venons-en maintenant au socle de connaissances et de compétences que tout jeune Français devrait maîtriser en matière scientifique et technologique. Nous le savons tous, les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre
et de décrire le monde réel, celui de la nature, celui construit par l'homme, ainsi que les changements, évidemment, induits par l'activité humaine. Leur étude contribue à faire comprendre aux élèves la distinction entre faits et hypothèses vérifiables d'une part, opinions et croyances d'autre part. Pour atteindre ces buts, l'observation, le questionnement, la manipulation et l'expérimentation sont évidemment essentiels, et cela dès l'école primaire. Dans l'esprit de l'opération « La main à la pâte », qui donne le goût des sciences et des techniques dès le plus jeune âge, on voit que cela produit des résultats. Les élèves doivent pouvoir comprendre que les sciences et les techniques contribuent au progrès et au bien-être des sociétés. En somme, il importe que les élèves se constituent une culture scientifique de base pour comprendre les grandes lois qui régissent l'univers, notre planète, ainsi que bien évidemment notre corps. Sans une culture scientifique et technique suffisante, nos enfants seraient laissés sans repère dans un monde que la science et la technique façonnent pourtant de plus en plus. Ils seraient par la suite incapables d'agir sur ce monde et bien entendu de continuer à le transformer. Ma deuxième question au gouvernement porte donc sur les moyens qui sont aujourd'hui déployés par l'éducation nationale plus particulièrement et l'État en général pour s'assurer de la bonne transmission des connaissances et des compétences scientifiques auprès des élèves au fil de leur scolarité. Dans le même ordre d'idées, quels sont aujourd'hui les outils utilisés pour évaluer la véritable acquisition des connaissances et compétences scientifiques et techniques au fil de la scolarité et ceci de l'école primaire jusqu'au lycée ? Enfin, je voudrais aussi aborder un risque actuel très important, celui du décrochage de la recherche scientifique française. Les réformes successives, ça a déjà été abordé, en matière d'enseignement des sciences et des mathématiques, ont conduit à un changement de paradigme fort violent, sous prétexte de vouloir s'adapter au goût des jeunes et de favoriser l'égalité. Ainsi prévalent de plus en plus le zapping, la leçon de choses, au mieux l'éveil de la curiosité. Comme le mentionne fort justement Michel Spirot, le président de la Société française de physique, désormais, l'appropriation et l'approfondissement des connaissances scientifiques ont la portion congrue, même dans les parcours aujourd'hui dits scientifiques de nos lycées. Certes, il est positif d'avoir augmenté la population d'élèves approchant une formation scientifique et d'essayer d'éveiller leur appétit pour les sciences. On ne peut que s'en réjouir. Mais j'aimerais vous interroger, Madame la Ministre, pour savoir pourquoi la partie aujourd'hui réservée à la capacité à modéliser, à mettre en équation, à simuler, à analyser les résultats au regard d'une pratique scientifique et expérimentale, eh bien tout cela est de plus en plus réduit au collège, et il faut bien le dire, depuis la réforme du lycée, aussi au lycée, et cela devrait également nous interroger collectivement, puisque le lycée doit aussi préparer à l'enseignement supérieur. Vous l'aurez compris, la culture scientifique constitue un socle essentiel dans toute société moderne et démocratique. L'enjeu du savoir reste un véritable combat. Nous devons collectivement nous en saisir, et j'espère que nous aurons des réponses substantielles aux trois grandes questions que je viens de poser. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Philippe Berta pour le groupe démocrate et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, au pays des Lumières, des savants et des inventeurs, la culture scientifique est consubstantielle de notre histoire partagée. Elle s'érige sur des faits scientifiques, uniquement des faits. Elle met en évidence que les sciences et les scientifiques suivent des protocoles et des méthodologies précises. Il est question d'intégrité et d'éthique scientifique. Les charlatans de la Covid-19 ont entaché la respectabilité de toute une communauté et la confiance en la science fut malmenée. La crise sanitaire a confirmé les faiblesses de la qualité de l'information scientifique face à la propagation des fausses informations dont les complotistes et les fanatiques se sont emparés pour mieux les viraliser. Pourtant, on ne badine pas avec la science. Au-delà des savoirs et des connaissances élémentaires, la culture scientifique enjoint à expliquer le fonctionnement des sciences au pluriel, qu'elles soient fondamentales, cliniques, humaines et sociales. Elle ouvre la voie à l'esprit critique, l'esprit des sciences et leur temporalité, mais aussi aux doutes intrinsèques à la recherche. Elle incarne l'échange et le grand partage. Elle favorise l'égalité entre les femmes et les hommes et contribue à résorber les inégalités socio-économiques et territoriales. La culture scientifique forge l'humilité dans l'appréhension des phénomènes sociaux, sanitaires, technologiques, écologiques et même démocratiques. Elle forge aussi l'humilité dans la manière d'aborder le monde qui nous entoure,
qu'il soit social ou environnemental. Elle devrait surtout forger l'humilité lorsqu'il est question de la retranscrire dans un discours politique. Rapporteur pour avis pour le budget de la recherche 2023, j'ai consacré la partie thématique du dit rapport à la culture scientifique. Et je me suis senti bien seul. Nous avons mené une vingtaine d'auditions sur ce thème si essentiel, produit un rapport fruit de prolixes échanges avec les associations de culture scientifique, le réseau des vice-présidents sciences et sociétés des universités, les chercheurs, qu'ils soient socio-anthropologues, astrophysiciens, mathématiciens ou biologistes, les établissements de recherche, les agences de financement de la recherche, les éditeurs scientifiques, les influenceurs scientifiques, les directions ministérielles, les fondations et les instituts privés ou encore même, bien sûr, les industriels. Des académiciens aux bénévoles associatifs en passant par les doctorants et les chercheurs, tous œuvrent quotidiennement afin de diffuser la culture scientifique, à laquelle j'ajouterai la culture technologique, industrielle, mais aussi la culture sanitaire. Pour cause, la culture scientifique embrasse pléthore de domaines d'activité et de multiples acteurs, environ 1740 structures sur le territoire, allant d'associations d'animation scientifique et d'éducation populaire, de tiers-lieux aux grands musées, en passant par les muséums, les aquariums et autres planétariums, sans oublier les établissements publics de recherche, les entreprises et les acteurs de l'artisanat, ainsi que les collectivités territoriales, essentiellement collectivités régionales. Tous les acteurs de la culture scientifique forment des garde-fous essentiels de la démocratisation des savoirs et de la paix sociale sur lequel repose notre humanité et la planète qui l'abrite. Or, malgré quelques soubresauts et une volonté plurisectorielle et pluridisciplinaire, faute de pilotage national, faute de visibilité et de lisibilité, la culture scientifique se fait encore trop fragile, des cours de l'école jusqu'au plus haut de l'État. Le niveau scientifique moyen de la population ne cesse de s'affaiblir. Il conduit à un manque certain d'attractivité, pour les métiers de la recherche, pour ceux de l'ingénierie, dont nous avons tant besoin, à un scepticisme métastasé à l'endroit des faits scientifiques, et souvent à une interprétation à géométrie variable des résultats de la recherche, une manipulation des faits scientifiques. Ressurgissent alors les vieilles croyances, des platistes à ceux qui pensent l'astrologie comme une science. Par exemple, le désaveu pour la science profite à la recrudescence des dérives sectaires, comme attesté par le récent rapport de la Mévilude. Cette carence en culture scientifique exacerbe bien, la montée du complotisme, le fanatisme et l'extrémisme. Des épizooties aux zoonoses, de l'antibiorésistance aux maladies chroniques et génétiques, de la biomédecine à la bio-industrie, des crises énergétiques, climatiques et démocratiques, ce sont bien les sciences qui permettront de répondre aux défis qui nous attendent. Aussi, ni technophiles ni technophobes, nous devons penser la culture scientifique comme une priorité nationale. Les acteurs sont là et prêts à travailler ensemble, ils nous attendent. Elle doit être l'objet d'une politique ambitieuse, sans ingérence dans sa gouvernance. Tous les ministères sont bien tributaires des données scientifiques pour mener à bien leur action. La science et la culture scientifique sont un bien commun, parce que la science est une chance, elle est l'affaire de tous, et si elle se doit d'aller vers la société, à nous d'aller vers la science et donc vers la culture scientifique. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Michaël Boulou pour le groupe socialiste et apparenté pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, collègues, l'intitulé du présent débat part d'un constat alarmant et implacable, celui du recul de la culture scientifique dans notre pays. Alors que la culture scientifique en France était en progression depuis une trentaine d'années, nous sommes retombés 30 ans en arrière et donc au point de départ. Avec, et je le dis gravement, une nette accélération de cette régression depuis le premier quinquennat du président Macron. Ce recul s'observe d'une façon générale, mais aussi d'une façon genrée et en fonction des catégories sociales. Pour résumer, la politique des années Macron en matière d'éducation scientifique a renforcé toutes les inégalités. La rentrée scolaire 2022-2023 a été marquée par une pénurie d'enseignants sans précédent. Concernant les mathématiques, plus spécifiquement, le nombre de candidats aux épreuves du CAPES a fondu. Moins 30% entre 2010 et 2020, et la tendance est loin de s'inverser. Entre 2021 et 2022, le nombre de postes non pourvus de professeurs de mathématiques au collège et lycée a été multiplié par 3 pour atteindre 17%.
la situation est aujourd'hui dramatique. Concernant la physique-chimie, on est passé de 8% des postes qui n'avaient pas trouvé preneur à 33% en 2022. Cette pénurie criante de professeurs de sciences s'explique en grande partie par le niveau de rémunération générale qui a fait l'objet d'un débat cet après-midi et qui est encore évidemment trop bas. Et ce ne sont pas les rustines collées à coups de primes à contrepartie d'exigences souvent indécentes dans la situation qui vont redonner une attractivité au métier de professeur de sciences. La situation est préoccupante non seulement du côté du recrutement des professeurs, mais aussi lorsqu'on s'attarde à scruter les résultats de nos élèves. En effet, selon des dernières enquêtes internationales, les élèves du primaire et du collège français étaient classés en dernière position de l'Union européenne et en avant-dernière position au sein de l'OCDE. On ne peut pas s'en satisfaire. En parallèle, et cela a été beaucoup dit dans les interventions précédentes, toute une classe d'âge qui est actuellement scolarisée en classe de première n'étudie plus du tout les mathématiques. Seul un enseignement scientifique est dispensé, à savoir un enseignement en sciences physiques et en SVT. Il semble certes que l'actuel ministre de l'Éducation se soit aperçu du désastre engendré par la politique de son prédécesseur. C'est en tout cas à espérer. Mais il est difficile d'être optimiste sur la façon dont cette classe d'âge en particulier que je viens d'évoquer pourra combler ses lacunes, d'autant plus qu'elle cumule avec les difficultés issues de la pandémie du Covid-19. Pour continuer sur le champ de ruines hérité des années Blanquer, le recul de la culture scientifique a renforcé les inégalités entre les filles et les garçons et entre les classes sociales. Ainsi, alors que le pourcentage des filles suivant un cursus scientifique en classe de terminale était en progression constante depuis 1995, pour atteindre 48% en 2017, ce pourcentage a dégringolé depuis la réforme du bac engagée par le ministre Blanquer. Ainsi, en 2021, les filles n'étaient plus que 39% à être inscrites dans les enseignements de mathématiques. Entre 2017 et 2021, c'est-à-dire en seulement 4 ans, l'enseignement scientifique suivi par les filles a donc perdu 10 points. Enfin, le fossé selon l'origine sociale se creuse, et singulièrement sur les matières scientifiques. À titre d'exemple significatif, les familles les plus favorisées sont celles qui peuvent se permettre financièrement d'offrir à leurs enfants des cours de soutien scolaire. Or, on s'aperçoit que les mathématiques sont la matière la plus demandée dans ces soutiens scolaires, à 75%. Ensuite, la France est l'un des pays de l'OCDE où le lien entre le statut socio-économique et la performance PISA est le plus fort. En octobre 2021, le Centre national d'études des systèmes scolaires a ainsi montré, je le cite, « L'école française ne parvient ni à garantir la maîtrise de compétences élémentaires à tous les élèves défavorisés, ni à permettre aux meilleurs d'entre eux d'atteindre un niveau élevé. » Le sujet du recul de la culture scientifique à l'école est loin d'être anodin. Et ce n'est pas ma propre expérience des valeurs émancipatrices des sciences, et en particulier des mathématiques, qui explique le fait que je sois particulièrement mobilisé sur cette question. C'est une conviction. La culture scientifique développe la rigueur d'esprit et l'esprit critique. La science permet de démontrer par un raisonnement logique un fait. Elle est donc indispensable. Il importe donc que le gouvernement et les pouvoirs publics se saisissent de cet enjeu à la hauteur de l'engagement qu'il exige, de chacune et chacun d'entre nous. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci beaucoup. Madame la Présidente, merci beaucoup. Merci aussi d'avoir mis ce sujet pour votre groupe vraiment. Merci beaucoup, parce que pour moi aussi, pour nous aussi au niveau du gouvernement, ce sujet est important. Mesdames et messieurs les députés, alors j'ai eu tout d'abord vendredi dernier un échange passionnant, certains d'entre vous en ont parlé, avec les chercheurs français qui ont contribué à la rédaction du rapport final, vous savez, du rapport synthèse au niveau du 6e cycle du GIEC. Nous avons échangé sur les conclusions de ce rapport et sur ce que la recherche et la technologie pouvait apporter pour suivre
et modéliser effectivement l'impact du réchauffement climatique, mais aussi pour proposer des solutions. Nous avons également beaucoup parlé de ce qui nous réunit ce soir. Comment accroître la culture scientifique, et je parle bien de la culture scientifique, au sein de notre société, ceci dès le plus jeune âge, et afin d'éclairer un débat public, ainsi, et vous l'avez dit, que certaines prises de décision politiques. Universcience a effectué en janvier dernier un sondage intitulé « Baromètre de l'esprit critique », dont les résultats sont encourageants, puisqu'ils montrent que nos concitoyens ont majoritairement confiance en la science et conscience qu'elle fait partie de leur quotidien. Mais ce sondage montre aussi des disparités générationnelles, socio-économiques et de genre. Ce baromètre montre également qu'un tiers de nos concitoyens ne sont pas convaincus, par exemple, du lien entre le réchauffement climatique et le CO2 produit par les activités humaines. Cet exemple est très emblématique du défi que pose l'appropriation des résultats des chercheurs par la société. C'est un sujet qui nous touche toutes et tous et dont nous voyons l'impact, hélas, croître chaque année dans notre vie quotidienne et pour lequel l'effort de médiation scientifique a été et doit rester majeur. Nous devons donc poursuivre nos efforts pour donner à chaque citoyen les éléments nécessaires pour se forger un avis éclairé et être un citoyen éclairé. L'actualité récente nous montre à quel point cela est nécessaire. Je pense bien sûr, comme vous, Madame la députée, aux fake news. Une fausse information est si vite créée, et une fois créée, elle circule si facilement et si vite. Je voudrais parler des réseaux sociaux, qui peuvent être, notamment pour les jeunes, des vecteurs de ces fausses informations qui semblent faire des adeptes. En effet, une enquête de l'IFOP de 2022 nous apprend, et je ne vais pas les citer tous, mais pour un jeune sur quatre, les êtres humains ne sont pas le fruit d'une longue évolution d'autres espèces, mais ils ont été créés par une force spirituelle. Ou bien, pour 19% des jeunes âgés de 18 à 24 ans, souscrivent à l'idée que les pyramides égyptiennes ont été bâties par des extraterrestres. Vous avez cité d'autres exemples de cette enquête IFOP et il est urgent, urgent de préparer notre jeunesse face à ce déferlement de fake news pouvant conduire à des conséquences civiques graves et dont nous sommes tous, tous ici impliqués et responsables. Il est effectivement de notre responsabilité de développer cet esprit critique. Cet esprit critique à l'aide effectivement d'un apprentissage, mais d'un apprentissage qui est d'abord basé sur une méthodologie, sur un raisonnement qui apprend à considérer plusieurs points de vue pour construire un avis basé sur des faits, et basé aussi sur une information scientifique de qualité, une information scientifique fondée, vérifiée, qui prend surtout plus de temps à être produite et plus de temps à être diffusée. Car la science est, et c'est très bien ainsi, exigeante, rigoureuse, précise et réfléchie. Elle ne s'accommode pas de petits raccourcis, ne transige pas avec la vérité. Cela pourrait sembler décourageant et l'on peut se demander comment lutter contre cette asymétrie. Mais je le crois, et en mettant tout en œuvre pour rendre accessible au plus grand nombre les connaissances et les avancées de cette science. Cela passe par la diffusion de culture scientifique, mais aussi par le rôle que nous donnons à cette parole scientifique dans le débat public. Je vous remercie vraiment de nous donner l'opportunité de débattre ensemble de ce sujet et j'étais personnellement heureuse d'être avec vous ce soir pour débattre de ce sujet. La diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle se situe au cœur des missions des établissements d'enseignement supérieur. Elle est d'ailleurs inscrite au code de l'éducation. C'est pourquoi il est indispensable de mieux reconnaître la relation science et société comme une dimension à part entière de l'activité scientifique et donc de l'activité de nos chercheurs, de nos chercheuses et de nos enseignants-chercheurs et chercheuses. La culture scientifique doit aller vers les citoyens afin de faire tomber ces préjugés ou les réticences qui peuvent les éloigner de ces vérités scientifiques.
En tant que chercheuse, il m'a toujours semblé important de m'engager personnellement pour faire vivre cette diffusion de la culture scientifique, et ceci au plus près des terrains, au plus près des jeunes, au plus près des écoles. Je le sais pour les avoir vécues, pour avoir vécu l'importance de ces partages dans des communes comme Marcoussis, Saint-Arnoux, Grigny, Dourdan, Les Ulis, Montigny-le-Bretonneux et bien d'autres encore. Je suis convaincue que la compréhension de phénomènes scientifiques et la transmission d'un certain enthousiasme, car oui, la science, c'est aussi un enthousiasme et est aussi enthousiasmante. Cela peut réellement contribuer à faire naître des vocations chez les plus jeunes, mais surtout à créer cette curiosité sur le monde et ce goût de chercher des réponses. Pour l'illustrer, je pense à la bande dessinée qui a été lauréate en 2022 du prix du livre scientifique jeunesse octroyé pour les 9-13 ans, qui s'appelle « Les femmes de science vues par une ado un peu vénère ». Son titre montre bien l'enjeu qui se pose à nous et que nous partageons avec le ministre de l'Éducation nationale, celui de l'attractivité des filières scientifiques pour les jeunes filles en particulier. Pour apporter à ce défi les réponses qu'il mérite, j'en avais parlé lors de la remise du prix Irène Joliot-Curie, nous lançons des assises consacrées à l'attractivité des sciences avec tous les acteurs concernés, attractivité des sciences pour les femmes, avec ces acteurs du monde de la recherche, de l'enseignement supérieur. Concernant la culture scientifique, si nous devons aller vers la société avant toute chose, nous devons commencer très en amont et aller vers nos enfants pour leur donner ce goût des sciences, et notamment celui des mathématiques. L'esprit critique est au cœur du projet de l'école, ou je dirais presque d'une école républicaine. Il doit reposer très tôt sur la culture scientifique et sur son fondement, en particulier on parle beaucoup des mathématiques. Le renforcement de leur enseignement en 2023 est effectivement clé pour le ministère de l'Éducation nationale qui doit préparer et qui prépare les étudiants de demain. Je suis particulièrement attentive à ce que la médiation scientifique soit mieux reconnue comme une mission structurante, en particulier pour nos doctorants et nos chercheurs. Les exemples sont nombreux et je voudrais en rappeler quelques-uns. Dans le cadre de leur contrat, les doctorants peuvent avoir une mission de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique, afin de promouvoir les activités de la recherche et les réalisations, et ceci au-delà de la sphère académique, auprès des élèves et des enseignants du primaire et du secondaire, et bien sûr de l'ensemble des acteurs du monde socio-économique et de tous les citoyens. Et je voudrais revenir sur le lien avec la main à la pâte, ou beaucoup de maisons des sciences, qui est effectivement fondamentale, dont le ministère de l'Éducation nationale a des conventions et dont nous souhaitons effectivement développer, et pour lesquelles ces contrats doctorants pourraient être une richesse et une utilisation, et nous allons les développer. En 2020, pour que l'excellence de la recherche puisse également diffuser dans la société, cette loi programmation de la recherche a inscrit la création de 5 chaires juniors et 5 chaires seniors à l'Institut universitaire de France pour inviter nos meilleurs chercheurs à développer aussi les relations entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et avec la société. C'est un succès aujourd'hui. Je ne peux évidemment pas oublier la médaille de médiation scientifique du CNRS qui a été créée et qui récompense des femmes et des hommes qui mettent la science au cœur de la société et qui diffusent une information scientifique accessible à différents publics. La culture scientifique peut se renforcer également grâce à ce que l'on appelle la recherche participative. Vous en avez peu parlé, mais cela consiste à associer, lors d'un travail de recherche donné, des acteurs de la société civile. Le lien entre la science et l'expression du besoin par l'usager est ici immédiat. Cet échange, qui peut aller jusqu'à la co-construction de la démarche scientifique, permet de nourrir cette confiance, la confiance en une science qui doit être éthique, responsable, et au service de la société. La charte pour une science et une recherche participative en France a été signée par de nombreux acteurs de la recherche, d'organismes nationaux, des universités, mais également un grand nombre d'ONG, d'associations, ce qui souligne cet intérêt citoyen pour cette démarche. Mon ministère soutient fortement depuis plusieurs années
ses actions de science avec et pour la société. Des moyens dédiés ont été mobilisés dans cette loi de programmation pour la recherche afin de les renforcer. J'en citerai quelques-uns. Un label assorti de moyens a été créé pour les sites universitaires pour qu'ils puissent mobiliser ces actions, jusqu'alors peu reconnues et souvent faites bénévolement par les chercheurs, peu reconnues dans leur carrière, peu reconnues dans leur accompagnement. Aujourd'hui, ce sont 20 universités qui se sont dotées d'un programme de science pour et avec la société, porté en général par un vice-président dédié, et ça aussi c'est nouveau depuis quelques années. 1% du budget d'intervention de l'ANR est désormais consacré à ces actions. Et enfin, les chercheurs sont systématiquement encouragés à intégrer à leur projet de recherche un volet de médiation scientifique. Afin que la culture scientifique alimente ce débat public, réponde aux interrogations des citoyens et éclaire les décisions publiques, il est nécessaire que l'ensemble des parties prenantes puissent se réunir pour débattre des sujets d'actualité sur le front scientifique et des actions prises dans le domaine des sciences et de la société. À cette fin, il existe une instance consultative placée auprès de la ministre de la Culture et de moi-même, que certains d'entre vous ont rappelé à cette tribune juste avant moi. Le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle. Il est important que le gouvernement porte une ambition forte, réelle, avec vous, pour les sciences, avec et pour la société. Je vais donc proposer à ma collègue ministre de la Culture de relancer très vite cette instance en travaillant aux modalités permettant d'associer pleinement chercheurs et citoyens. Mesdames et messieurs les députés, la double mission qui a été confiée, qui est confiée depuis toujours à mon ministère, est la suivante. Repousser toujours plus les frontières de la connaissance et en garantir la transmission et la diffusion. C'est cela qui nous permettra, et j'en suis sûre et convaincue, de relever les grands défis auxquels nous sommes collectivement confrontés. À nous de redonner confiance dans la science, à nous redonner ce goût à la science et dans la science, à réveiller les curiosités, rappeler, comme le disait Marie Curie, que rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Je voudrais terminer par vous dire, je voudrais citer un autre qui devrait guider aujourd'hui tous les cycles, de l'école jusqu'à l'université, jusqu'à l'enseignement supérieur. C'est Montaigne qui disait qu'il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Je crois qu'aujourd'hui, cette citation de Montaigne, elle devrait nous guider dans l'enseignement des formations de tous nos étudiants, de la façon dont on les emmène dans l'enseignement, dont on les guide, dont on développe l'esprit critique et dont on les amène vers toutes les sciences. C'est quelque chose que l'on doit faire collectivement. C'est une révolution depuis des années. On rajoute des sciences aux sciences, du contenu au contenu. Et je crois qu'aujourd'hui, la place de l'esprit critique, de cette méthodologie scientifique et de ce goût et cet amour des sciences doit nous guider d'abord et en particulier dans ce débat de ce soir. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Nous en venons aux questions. Je vous rappelle que la durée des questions ainsi que celle des réponses est limitée à 2 minutes sans droit de réplique. Alors, tout d'abord, une question posée par le groupe socialiste et apparenté avec M. Michaël Boulou. Oui, Madame la Ministre, au cours des dernières années, nous avons constaté une diminution de l'intérêt pour la culture scientifique en France avec un impact sur la perception du grand public à l'égard des sciences et de l'innovation. Dans le contexte mondial actuel où la science et la technologie jouent un rôle crucial pour relever les défis de la santé, du changement climatique et aussi du développement économique, il est essentiel de renforcer la culture scientifique dans notre pays. Et je reprends mon exposé pour des questions vraiment très précises. Quelle politique le gouvernement compte-t-il engager pour revenir à un niveau plus égal dans l'accès des filles aux formations scientifiques suite au dernier quinquennat ? Comment le gouvernement compte-t-il offrir à nos élèves un nombre suffisant de professeurs de sciences et de mathématiques en particulier, sans renoncer à une exigence de qualité quant à leur formation ? Il serait sur ce point peut-être opportun de réfléchir à l'attractivité de nos filières d'enseignement sur la scène internationale et à l'attractivité des rémunérations des professeurs. Quelle perspective de mixité sociale pouvez-vous offrir à nos élèves ? Il s'agit de créer une émulation plutôt qu'une ségrégation qui reproduit les inégalités
et notamment dans ces matières scientifiques. Et au-delà de ces trois questions qui ont attrait à l'éducation, quelles mesures spécifiques votre ministère envisage-t-il de mettre en œuvre pour encourager l'intérêt du public pour la science et l'innovation? En particulier, comment comptez-vous collaborer avec les acteurs clés du secteur scientifique, les médias et les institutions éducatives pour améliorer la communication et le partage de connaissances scientifiques auprès du grand public et lutter ainsi contre la désinformation et les mouvements anti-science? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à madame la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le député, mesdames et messieurs les députés. Alors, vos questions sont multiples. Je vais probablement paraître exhaustive, mais il est clair que, d'abord, je voudrais redonner quelques chiffres au niveau des jeunes filles qui sont aujourd'hui 55% à choisir les mathématiques au niveau de la première. En fait, c'est à partir de la terminale, elles choisissent plutôt des filières comme, enfin, des disciplines comme la chimie, la physique, etc. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, on les retrouve dans des filières de santé. Donc, effectivement, cette attractivité, par exemple, ou des filières où on les connaît, où il y a beaucoup plus de filles. Donc, ce travail, effectivement, qui a démarré au niveau de l'éducation nationale, il doit démarrer de bien plus dès l'école primaire pour pouvoir retrouver cette attractivité des sciences, des mathématiques, pour avoir des choix. Alors, pour répondre à votre question, pour pouvoir les attirer par la suite sur des filières scientifiques, et en particulier industrie verte, on va avec Bruno Le Maire, avec le ministre de l'Éducation nationale, mettre pratiquement des quotas aussi au niveau des classes préparatoires, pas par la suite, en suivant des cohortes, en travaillant avec les scientifiques pour voir l'impact de différentes mesures que nous allons prendre, aussi bien au niveau des lycées, par rapport aux mesures qui ont été déjà données, au niveau ensuite du supérieur et suivant les filières, pour pouvoir les mesurer, des mesures efficaces pour pouvoir attirer les élèves, mais en particulier les filles, effectivement, vers les filières scientifiques. Un autre point à votre question pour garder mes 2 minutes. Nous allons aussi travailler sur la diffusion de culture scientifique avec les associations comme les Maisons des Sciences, la main à la pâte, mais aussi les médias et les doctorants, former les chercheurs à la médiation scientifique, faire reconnaître la médiation scientifique dans leur carrière et avoir ces 1/6e doctorat pour pouvoir former et permettre à des doctorants d'aller faire de la diffusion de culture scientifique en lien avec les associations de médiation. Voilà des exemples que nous allons mettre en œuvre et que nous allons discuter dans des prochaines assises de la médiation scientifique, en particulier pour l'attractivité des filles. Merci. Merci, Madame la Ministre. Nous en venons aux questions du groupe écologiste NUP et la parole est à Madame Christine Arrigui. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre. La culture scientifique, c'est l'un des plus grands enjeux démocratiques qui soit. Plus que jamais, il faut travailler à en élever le niveau dans la population, mais aussi chez nos décideurs. Ce n'est pas de moi, c'est une journaliste, rédactrice en chef d'une revue scientifique québécoise, Marie Lambert-Champ, que je cite. Et donc, j'ai des propositions à vous faire sur le sujet. Nous disposons ici, à l'Assemblée nationale, d'un remarquable outil qui s'appelle l'OPEX, l'Office parlementaire des choix technologiques et scientifiques. Et donc, une suggestion: à quand la valorisation de toutes les notes scientifiques, de tous les rapports, de toutes les auditions qui sont et qui se déroulent à l'OPEX? Ils s'empilent, ils finissent parfois dans un carton et ne sont pas portés à communication. Et ils pourraient largement précéder fort utilement nos débats et les éclairer dans nos décisions. Et donc, c'est une suggestion que le groupe écologiste vous fait sur une évolution qui pourrait se trouver fort utile pour l'OPEX. La même Marie Lambert-Champ nous explique: avoir une culture scientifique, ce n'est pas tout savoir des sciences, c'est plutôt d'avoir soif d'en apprendre toujours plus sur les sciences, les comprendre, comprendre la démarche scientifique et cultiver à la fois son esprit critique et son sens de l'émerveillement. Et là, de nouveau, de nouvelles propositions. À quand, dans le grand public, à quand, dans la société, des grands débats qui pourraient précéder les grandes décisions que nous prenons ici à l'Assemblée nationale? Et je vous cite au hasard. Pourrait-on, évidemment, lancer un grand débat sur la question de l'énergie, avant que même nous ne serions amenés à voter ici au sein de l'Assemblée nationale, sans que ce débat ne soit organisé au sein de la société, alors que les choix que nous faisons ici
ou que nous ne faisons pas, les choix pour lesquels nous votons ou ne nous votons pas, nous engagent non seulement pour des années, mais également budgétairement, mais également pour des milliers d'années. Et je pense par exemple au nucléaire. À quand, par exemple, un grand débat dans la société qui pourrait précéder les décisions que nous prenons ici, qui auraient été éclairées par les travaux de l'OPEX, sur, par exemple, la mise en place des ZFE et les effets de la pollution et de la, sur la santé que les pollutions conduisent finalement aujourd'hui à constater 50 à 80 000 morts par an. À quand pouvons-nous éclairer la population sur les effets des pollutions au pluriel? Je pourrais vous donner d'autres exemples. À quand un grand débat dans la société sur la fraude fiscale qui nous empêche d'agir, qui nous empêche de finalement faire les choix de la transition écologique et qui, ce faisant, ne sont pas portés à connaissance ou suffisamment. Donc, nous avons des pistes. Il y a des pistes dans l'éducation, il y a des pistes dans l'université. Merci, madame la députée. Non, mais finissez. Allez-y, allez-y. Et il y a des pistes également démocratiques qui ne sont pas prises. Merci, madame la députée. Madame la ministre. Merci, madame la présidente. Madame la députée, merci. Merci parce que ce sont des propositions concrètes. Alors, que je connais bien, sur les rapports de l'OPEX et les diffusions, je pense que ça peut nourrir ce conseil que l'on va relancer, ce conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle, que l'on va relancer avec madame la ministre de la Culture. Et je pense que ces rapports, comme d'autres, comme sources, pourront en particulier nourrir, comme nous sommes en train aussi de se nourrir. Donc il y a l'OPEX, et je connais bien, nous avons des académies des sciences en France aussi, que l'on sollicite pour faire des rapports, et on pourrait dire qu'il faut les utiliser, nous devons utiliser. Et donc je crois que ce conseil que nous allons remonter, ça fait partie de ces missions, c'est-à-dire l'utilisation de toute cette matière et de ces rapports, et on en connaît dans nos académies et à l'OPEX. Sur les deuxièmes des débats, vous n'êtes pas censé... Vous voyez bien que les débats, et en particulier sur certains sujets, ont déjà été lancés par notre gouvernement, et ces méthodes sur la fin de vie ou sur des sujets, ce sont ces méthodes de débat, de concertation, ou en tout cas de mobiliser les citoyens pour débattre sur des grands sujets de société. Donc je vous rejoins. Après, cette façon de débattre, je pense que ça fait partie aussi du lien avec la culture et la diffusion de culture scientifique, pour moi qui vient en amont. C'est-à-dire que, bien sûr, le débat, et c'est comme la recherche participative avec ceux pour utiliser les besoins, est utile, et nous en sommes convaincus, mais en amont, travailler, nourrir, éclairer, pouvoir donner cette culture scientifique et le lien avec les scientifiques ou les établissements, comme vous le dites, de nombreux, les établissements de recherche, d'université et les citoyens, il faut que l'on crée ce lien, il faut que l'on crée ces endroits où cet échange, dans les deux sens d'ailleurs, de partage de l'information et d'une information construite, d'une information basée sur des faits, bref, d'une information scientifique. Et c'est l'ensemble de cela qui nourrira un vrai débat et un débat large sur toutes ces thématiques avec les citoyens. Merci beaucoup. Merci, madame la ministre. Là, nous passons maintenant aux questions du groupe Renaissance avec monsieur Stéphane Mazard. Merci, madame la présidente. Madame la ministre, mes chers collègues, comme mon excellent collègue Jean-Luc Fugitte l'a indiqué dans son propos liminaire, il y reste encore beaucoup à faire dans notre pays pour promouvoir et faire vivre une culture scientifique large et de qualité. On connaît l'importance des apprentissages fondamentaux en mathématiques et les difficultés que nous rencontrons dans ce domaine, mais j'aimerais vous interroger, madame la ministre, sur la culture scientifique dans le supérieur. Il me semble que ce qui entrave la maîtrise d'une culture scientifique, c'est que l'étude des sciences en France n'est pas populaire au sens propre. Lorsque l'on étudie les sciences en France, on le fait dans le cadre élitiste de la classe préparatoire, c'est-à-dire à un niveau d'excellence. Plus de 53% des élèves de prépa sont en prépa scientifique. Ainsi se renforce ce préjugé qu'en dehors de la voie royale, celle des prépas, il n'y aurait pas finalement grand intérêt à étudier les sciences à l'université, qui serait donc devenu un choix par défaut. Ma première question est donc la suivante. Quel levier pourrions-nous activer à l'université et plus globalement dans les formations non sélectives scientifiques pour les rendre plus attractives? Comment changer l'image d'une formation vue comme au rabais en comparaison avec les prestigieuses prépas scientifiques? Ma seconde question, madame la ministre, porte sur la place des filles dans les sciences.
Nous avions reçu une table ronde il y a quelques mois sur ce sujet en commission des affaires culturelles. Les filles, sont meilleures élèves, toutes les études le montrent, mais s'auto-censurent en délaissant les filières scientifiques d'excellence. Or, c'est par elles notamment que pourrait s'opérer la démocratisation de l'apprentissage des sciences. Comment parvenir à venir à bout du préjugé qui font des filles de mauvaises scientifiques et garantir ainsi une culture scientifique qui touche le plus grand nombre? Merci, monsieur le député. La parole est à madame la ministre. Merci, madame la présidente. Monsieur le député, merci pour cette double question. Je dirais qu'il m'intéresse personnellement depuis des années énormément. Alors, tout d'abord, le point sur classe prépa versus formation en licence en université et en particulier scientifique. Aujourd'hui, c'est une question qui n'est pas nouvelle et on connaît cette question. Donc, je pense que ce que l'on voit depuis quelques années, c'est une décrue du nombre d'étudiants qui vont en classe prépa. Il y a les chiffres pour beaucoup de raisons. Ces classes prépa qui ont une bonne méthodologie scientifique, il y a plein de très bonnes choses dans les classes prépa, mais qui aujourd'hui n'attirent plus nos jeunes étudiants, nos profils, et ils partent à l'étranger, à l'EPFL, à Zurich, à Londres, plutôt que par contre d'aller dans les universités ou dans certaines licences scientifiques d'université. Et donc je crois qu'il faut, et c'est ce qu'on essaye de faire dans beaucoup d'établissements depuis des années, c'est-à-dire proposer cette diversité de parcours à cette diversité de profils de nos jeunes et de nos étudiants, et en particulier pour nos filles. Donc dans nos formations de premier cycle, nous avons des licences pluridisciplinaires ou bidisciplinaires. Il faut à la fois avoir des licences non sélectives, des licences sélectives, parce que voilà, par rapport aux demandes des passerelles dans les formations, et je pense que c'est cette adaptation au profil des étudiants qui de plus en plus se fait dans nos universités, avec une adaptation avec des passerelles qui sont proposées dans les maquettes, qui permettent à l'étudiant de se tromper, de choisir, de rebondir ou de suivre une formation pour choisir plus tard. Et c'est cette étude de cette diversité de formation qu'offre l'université qui permet aussi d'avoir ces parcours différenciés. Et aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas les opposer, mais travailler ensemble. Un étudiant, suivant son profil, ce qu'il souhaite faire, peut aller en classe prépa, peut aller à une université, et il faut avoir cette présentation équilibrée et diversifiée des offres. Et pour les filles, je voudrais dire qu'il y a 30% environ de jeunes filles en classe prépa, avec plus de 39% dans les licences de sciences, 42% dans les masters scientifiques et 41% dans les doctorats. Donc les jeunes filles vont plus facilement à l'université, et là il faut s'y prendre très tôt, dès l'école primaire, et je pense qu'il faut prendre, je dirais, l'enseignement des sciences et des mathématiques, mais des sciences en général, à la racine, avec les exemples qui sont dans nos livres de classe, avec la formation des professeurs et des professeurs des écoles, pour montrer aux filles que les sciences, les maths, la physique, les sciences pour l'ingénieur, ça mène aussi vers la santé, ça mène aussi vers l'environnement, ça mène vers tout un tas de secteurs qui sont plus, je dirais, attractifs pour les jeunes filles. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. La parole est à madame Béatrice Piron. Merci, madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. J'ai décidé d'aborder la problématique de la culture scientifique dans nos écoles primaires et notamment le recrutement des enseignants au profil scientifique pour le premier degré. Vous le savez, l'éducation est l'un des piliers fondamentaux de notre société. Elle permet à nos enfants de se développer intellectuellement, socialement et émotionnellement. Pour cela, il est essentiel que les enseignants qui dispensent cette éducation aient des profils diversifiés et possèdent des compétences nécessaires pour transmettre les connaissances de manière efficace. En 2019, les élèves de CM1 en France ont obtenu un score très moyen de 485 points en mathématiques à l'évaluation TIMSS, soit 44 points de moins que le score moyen des pays de l'OCDE. De plus, la confiance en soi et la motivation des élèves à l'égard des mathématiques se dégradent fortement entre le CM1 et la classe de 4e. Or, nous constatons depuis quelques années que la baisse des résultats coïncide avec une baisse des enseignants ayant à l'origine un profil scientifique. Pourtant, ces enseignants de profil scientifique sont particulièrement importants dans le premier degré. Ils sont les plus à même de transmettre aux élèves les bases, mais aussi le goût pour les sciences et les mathématiques. De plus, ces enseignants contribueront à susciter chez les élèves
un intérêt pour les carrières scientifiques et techniques en leur montrant la pertinence de ces matières dans la vie quotidienne. Il est majeur également d'encourager dès le plus jeune âge les filles à s'intéresser aux sciences et à envisager des carrières scientifiques quand on sait qu'aujourd'hui, elles représentent seulement 24% des ingénieurs en France. Il est donc crucial que nous facilitions le recrutement d'enseignants dans le premier degré ayant ces profils scientifiques. Madame la ministre, où en sont les pistes de réflexion avec le ministère de l'Éducation nationale concernant le passage du CRPE dès la fin de la L3? A-t-on une idée des délais nécessaires pour modifier ces critères d'accès au concours? De plus, a-t-on envisagé de renforcer le coefficient de l'épreuve écrite de mathématiques au CRPE afin de garantir un bon niveau scientifique des candidats et également de faciliter leur admission? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée. Donc je ne vais pas redire tout ce que vous avez très bien expliqué par rapport aux profils et aux besoins sur le parcours des professorats des écoles, mais répondre en disant qu'en complément de la pluridisciplinarité que l'on a dans ces formations, il y a environ 64% de professeurs des écoles qui ont un bac scientifique, et donc effectivement c'est le parcours ensuite qu'il faut regarder. Et bien dans ces parcours, avec le ministère de l'Éducation nationale, a été créé en 2020 ces PPPE, ces parcours préparatoires au professorat des écoles, qui sont des parcours qui reposent sur une maquette très pluridisciplinaire, en renforçant la partie mathématique de ces maquettes dans la pluridisciplinarité, ainsi que des sciences. La part des mathématiques et du français, dont le tronc commun a vraiment été renforcé déjà dans ses parcours de préparation au professorat des écoles. Alors par ailleurs, comme l'a rappelé et l'a souhaité de ses voeux le président de la République, nous travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale à travailler à un parcours plus lisible pour cette préparation au professorat des écoles au niveau licence. Ce parcours pourrait débuter un peu comme ce PPPE dès la première année de licence, sans remettre en cause la mastérisation qui suit après. Et ce travail est en cours. Ce travail doit se faire de façon concertée, progressive, car les dernières réformes ont été très récentes, et aussi bien dans les enseignants qui travaillent à ces parcours que les étudiants. Il faut aujourd'hui prendre ce temps pour réussir cette réforme pour les parcours professeurs des écoles en tenant compte de ces formations plus scientifiques, plus mathématiques et aussi plus pluridisciplinaires. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Lionel Vubert. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous interpellez sur le dispositif de la nouvelle sixième qui entrera en vigueur dès la rentrée 2023. Cette réforme vise à mettre en place une heure de soutien ou d'approfondissement en mathématiques ou en français pour tous les élèves entrant au collège. Néanmoins, elle se fera au détriment de la technologie, dont l'heure d'enseignement devrait être supprimée. Cette abrogation retirerait aux élèves la possibilité de poursuivre en sixième l'enseignement des sciences et technologies tel que déjà pratiqué dans les classes élémentaires. Elle pourrait constituer une menace pour la pérennité des postes d'enseignants de technologie qui pourraient alors se retrouver en complément de service dans un autre établissement à la rentrée. Pourtant, cette discipline revêt une place importante au regard de son rôle dans l'acquisition de compétences, dans la maîtrise de l'informatique et des outils numériques, ou encore en apportant des notions en matière de physique, de sciences de l'ingénieur ou dans les énergies. Or, au moment où le gouvernement porte une importante réforme pour les lycées professionnels, vivier de recrutement important pour les entreprises, dans un contexte où la France ambitionne de reconquérir son autonomie stratégique, notamment en matière industrielle, cette mesure pourrait freiner l'attrait des élèves envers les sciences technologiques. Courroie vers les métiers de l'industrie, qu'il nous appartient collectivement de valoriser auprès des plus jeunes, comme cela a encore d'ailleurs été rappelé hier à Bercy par plusieurs membres du gouvernement concernant le projet de loi sur l'industrie verte, l'enseignement des sciences technologiques ne doit plus être le parent pauvre de l'éducation nationale. Je souhaite ainsi connaître les contours du dispositif de la nouvelle sixième, qui ne serait pas de nature à pénaliser l'enseignement de la technologie, alors que depuis plusieurs années, les horaires de cet enseignement ont été réduits et les moyens diminués. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député. Alors effectivement, vous l'avez dit, les savoirs fondamentaux sont
insuffisamment et inégalement maîtrisée. C'est pourquoi, si je vous donne quelques chiffres, en 6e, 26% des élèves n'ont pas le niveau en français, 30% en mathématiques. À la sortie de la classe de 3e, un collégien sur 4 ne dispose pas des compétences attendues. Ce constat se porte à 50% pour les élèves qui se dirigent ensuite vers la voie du lycée professionnel. Donc, dans la continuité de l'école élémentaire, la classe de 6e doit effectivement absolument assurer à chaque élève cette maîtrise des savoirs fondamentaux, et je dirais en particulier du français et des mathématiques, comme je viens de le citer. C'est pourquoi chaque élève bénéficiera dès la rentrée d'une heure hebdomadaire de soutien en approfondissement, en particulier en français et en mathématiques, et de sessions obligatoires d'accompagnement aux devoirs. C'est la priorité. Pour ne pas alourdir l'emploi du temps des élèves, qui est déjà très chargé, l'enseignement, effectivement, des sciences et technologies en classe de 6e, mais je voudrais dire, ce n'est pas l'heure qui est enlevée, c'est une heure sur 4, donc est réduite à 3 heures hebdomadaires par la réduction de 7 heures, mais ce n'est pas... On n'efface pas la technologie, bien heureusement, et c'est une heure de moins. Certains professeurs de technologie ont effectivement exprimé leur inquiétude devant ces évolutions, et on peut les comprendre. Et une attention toute particulière doit être portée à cette situation, et c'est le cas par les services du ministère de l'Éducation nationale. Alors l'année prochaine, pour ces professeurs, ils bénéficieront d'un temps de formation pour les préparer ensuite à enseigner un nouveau programme qui est en train d'être élaboré et co-construit. À l'issue du cycle 3, qui est reconfiguré pour s'assurer justement que chaque élève maîtrise ses savoirs fondamentaux. Et le cycle 4 doit transmettre des savoirs robustes en élargissant les horizons des élèves. Alors, le nouvel enseignement sciences et technologies qui sera élaboré par le Conseil supérieur du programme va comporter 2 priorités essentielles. Accorder une place centrale aux enjeux de transition écologique et de durabilité, je pense que c'est fondamental aujourd'hui, et déconstruire les stéréotypes qui empêchent à certains élèves, et notamment aux filles, de se tourner vers des études et des métiers scientifiques. Pour finir, je voudrais rajouter, je crois que ce n'est pas le nombre d'heures, et ça j'en suis persuadée en tant qu'enseignante, mais la qualité et de ce que l'on veut transmettre. Et c'est pour ça que la réflexion qui va avoir lieu est capitale. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Nous passons maintenant aux questions du groupe Rassemblement National avec Monsieur Émeric Salmon. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. J'attire votre attention sur la sécession d'une part grandissante de la jeunesse. En effet, dans une analyse de la Fondation Jean Jaurès, intitulée « La mésinformation scientifique des jeunes à l'heure des réseaux sociaux », les auteurs, s'appuyant sur une enquête de l'IFOP, démontrent une hausse inquiétante de l'adhésion à des contre-vérités scientifiques. Ce recul de la culture scientifique chez nos jeunes s'expliquant, selon cette étude, par 2 facteurs, l'adhésion à l'islam et l'usage du réseau chinois TikTok. La Fondation Jean Jaurès affirme que, je cite, « le créationnisme se retrouve soutenu en masse par les sondés se disant religieux et particulièrement par 71% des musulmans ». Les résultats de l'enquête de l'IFOP sont très inquiétants. 38% des jeunes croient dans les prédictions des voyants, 36% croient dans les envoûtements et la sorcellerie. La croyance dans les marabouts atteint 13% des 18-24 ans. L'étude montre un vrai clivage générationnel. Cette jeunesse s'éloigne dangereusement du consensus scientifique. Dans cette même étude, les auteurs disent à propos des croyances dans des théories contre-scientifiques que, je cite, « les personnes de confession musulmane y semblent particulièrement perméables ». Il apparaît donc dans cette étude qu'une partie de la jeunesse, issue de l'immigration et plus religieuse, s'éloigne de la rationalité scientifique. Ce séparatisme doit être combattu. Mais l'étude pointe également la responsabilité de la plateforme TikTok, montrant que ses usagers sont proportionnellement bien plus nombreux à croire dans ces thèses farfelues. C'est pour ces raisons qu'un contrôle plus strict de ce réseau social chinois apparaît nécessaire. Madame la Ministre, comment comptez-vous faire face à la sécession d'une partie de cette jeunesse qui s'éloigne du consensus rationnel pour se perdre dans des thèses contre-scientifiques liées à leur religion ou à leurs identités culturelles ? Comment continuer à nier le lien établi en filigrane par cette étude entre l'immigration massive et le recul de la culture scientifique ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la Ministre.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, je serai très brève. J'ai lu cette enquête. Ce qui est dit, c'est qu'effectivement, il y a un lien pour ceux avec toutes les religions. Je crois que votre démonstration illustre bien ce que nous combattons ce soir et ce que nous voulons défendre, la vraie culture scientifique. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Sophie Blanc. Je vous remercie, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Dans la guerre de pouvoir que se livrent les grandes écoles, j'ai l'impression que Sciences Po a gagné contre Polytechnique. Notre époque substitue l'information au savoir et le ressenti aux faits. À l'école, tout d'abord, les résultats des études internationales TIMSS pour les mathématiques et la science de 1995 et 2019 sont édifiants, notre pays est dans le peloton de queue. Au sein de l'État ensuite, la récente commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France nous a montré audition après audition la manière dont le sommet de l'État a su faire abstraction de tous les avis scientifiques pour engager le pays vers une trajectoire de sortie du nucléaire peu rationnelle. Dernier exemple, enfin, dans le cadre de nos politiques publiques, dans le domaine de la fin de vie, par exemple, il est dit que la Convention citoyenne a réuni 150 citoyens qui ont pu directement apporter leur vécu. Donc, apporter son vécu est une technique hissée au même niveau que l'avis de scientifique, et c'est grave. Donc, que faire ? Il faut recentrer l'école sur lire, écrire, compter, ça a été rappelé, et ce qui est la base nécessaire pour les divers approfondissements que nos enfants verront au collège. Faciliter la collaboration entre les universités et les entreprises. Les écoles de commerce le font, privilégiant souvent les stages à l'enseignement académique. A contrario, l'université ne prépare pas assez ses étudiants au mode du travail et de l'entreprise. Il faut réintroduire dans les cabinets ministériels suffisamment de profils d'ingénieurs afin de redonner une culture scientifique au gouvernement. Et enfin, il faudrait rétablir la culture de l'expertise scientifique comme supérieure à celle du ressenti, même si la communication et la manipulation passent plus facilement par cette dernière. N'en déplaise aux tenants du wokisme qui envahissent nos débats. Alors, merci Madame la Ministre de me donner votre avis sur les moyens que nous devons mettre en œuvre pour que notre pays se réapproprie la culture scientifique. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame la Ministre. Madame la Présidente, Messieurs, Madame la députée. Alors, notre pays doit se réapproprier, mais cela fait des années que l'on doit travailler à cette culture scientifique. Je pense que certaines de vos affirmations restent des affirmations par rapport à la place d'ingénieurs dans les cabinets ou autres. On pourrait donner des chiffres. Je ne les ai pas ici et donc je ne m'engagerai pas sur des choses sur lesquelles je n'ai pas l'information juste et précise. Quant à l'évolution par rapport, je n'opposerai aucune école, aucune université, aucune formation. Je pense qu'aujourd'hui, on ne se peut se priver d'aucune formation pour aucun profil d'étudiant. Et croyez bien que nos universités qui vont enseigner l'ensemble des disciplines, l'ensemble des profils d'étudiants, eh bien, c'est là où les meilleurs pédagogues, parce que par rapport aux difficultés de la pédagogie, par rapport à la diversité des profils, par rapport à la diversité des disciplines et par rapport à la diversité des formations. Donc, je pense que je ne les opposerai pas. Je suis là pour les aider, pour les encourager et, comme vous l'avez dit, pour développer la culture scientifique de l'école primaire avec le ministère de l'Éducation nationale jusqu'à l'université, jusque dans les milieux, dans les citoyens, tous les milieux des citoyens, sur les bancs des politiques, au niveau des entreprises. Et je pense que le lien avec le milieu socio-économique dans le développement aussi de la culture scientifique est très important. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Nous passons maintenant aux questions du groupe La France Insoumise NUP avec Monsieur Sylvain Carrière. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, le changement climatique est le plus gros enjeu du XXIe siècle. Il impacte et va modifier durablement nos sociétés. Ses causes sont principalement humaines, entraînées par un capitalisme affamé qui consomme et pollue plus que la Terre n'est capable de supporter. Son évolution et ses effets sont rapportés dans les publications du GIEC. Cependant, la réponse sociétale est bien en dessous de ce qui est attendu, tant au niveau de la réduction des causes comme les gaz à effet de serre que de l'adaptation à ses conséquences. Dès lors, dans un monde à plus 2 degrés, ou pire encore à plus 4, ce sont tous les secteurs qui doivent s'adapter. L'industrie, le logement, l'agriculture, la biodiversité, mais aussi la gestion des événements extrêmes.
L'adaptation est nécessaire pour maintenir la vivabilité des territoires, mais aussi l'activité économique. Dans un souci de bien commun, il est donc urgent de former les générations futures à une adaptabilité aux problèmes dont on ne connaît pas encore les solutions. Rendre optionnel l'enseignement scientifique dès le lycée est un exemple type de maladaptation dès l'enfance. C'est ainsi plusieurs générations qui sont avortées d'un savoir pourtant essentiel à la survie de notre civilisation. Dès lors, il est urgent de ne pas mentir à nos enfants en leur donnant les armes de s'adapter. Pourquoi ne pas mettre en place un nouvel enseignement transverse liant la majorité des enseignements scientifiques au changement climatique, comme une fresque pour le climat, mais adaptée à l'école primaire, puis une autre obligatoire dès la fin du collège. Aussi, tous les projets scolaires devraient être liés à la problématique du changement climatique. La prise de conscience doit être permanente. Le changement climatique est de partout dans la vie, alors qu'il soit partout à l'école. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame la ministre. Merci, madame la présidente. Monsieur le député, merci pour cette question. D'abord, je voudrais démarrer par dire, nous avons démarré la formation de 25 000 cadres de l'État. Je vais en arriver aux formations pour les jeunes, mais nous avons démarré avec le ministre Stanislas Guérini, mais aussi Christophe Béchu et Agnès Pannier-Runacher, une formation pour former très largement tous les fonctionnaires de l'État. Ça a démarré par la formation qui est en cours de 25 000 cadres de l'État qui seront formés avant 2024. Nous sommes en train de préparer la formation des 2,5 millions agents de l'État qui va démarrer à la rentrée. Et dans les universités, je démarre à la rentrée la formation de tous les personnels des établissements, en particulier les chercheurs et les enseignants-chercheurs, pour qu'ils incluent de façon naturelle dans leur enseignement cette partie de changement climatique, transition écologique, limitation des ressources naturelles, etc. Et nous avons décidé qu'à partir de 2025, et nous allons commencer à traiter le stock à partir de l'année prochaine, mais à partir de 2025, il y aura un enseignant pour tous les étudiants de premier cycle en transition écologique et biodiversité et climatique. Et donc, nous sommes en train de mettre cela en place. Avec le ministre de l'Éducation nationale, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette réflexion est aussi menée dans les programmes et l'exemple que j'ai donné sur les programmes de sciences et technologies en sont une illustration et nous vous rejoignons pour cet apprentissage dès le plus jeune âge et tout au long de la scolarité et c'est pour ça que nous travaillons ensemble pour faire un suivi de ces programmes et une continuité de ces programmes. C'est lancé, c'est en œuvre et c'est financé pour nos établissements. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Adrien Clouet. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Le sujet de cette discussion, je pense, apparaîtra à beaucoup comme une véritable bouffée d'air frais, puisque dans les 5 dernières années, nous avons subi des immixtions assez virulentes de la part du pouvoir politique dans les laboratoires de recherche scientifique. Je pense notamment aux campagnes menées au nom de l'islamo-gauchisme par votre prédécesseuse, ainsi que par M. Darmanin, qui, en la matière, a sans doute à peu près les mêmes qualifications que l'inquisiteur jugeant Galilée. Bon, ce préalable étant fait sur la production scientifique, se pose la question de la diffusion de ce que nous appelons de nos voeux. Et en l'occurrence, il faut être clair sur la définition du sujet. On le sait, et vous êtes une des mieux placées pour le savoir, les sciences ne sont pas un ensemble de connaissances, ce sont avant tout des procédures collectives de validation de certains savoirs. Or, en l'occurrence, nous assistons à un phénomène étonnant, c'est qu'au collège, disparaissent progressivement dans les cours scientifiques tout ce qui relève de l'expérimentation, de la réalisation, de la manipulation, au profit plutôt de pratiques qui ressortent de la mémorisation ou de l'apprentissage à caractère uniquement théorique et scriptural. Dès lors, que faire à ce niveau-là et que proposez-vous en termes de pratiques scolaires permettant effectivement d'avoir la science comme une activité plutôt que la science exclusivement comme un apprentissage qui pourrait avoir un caractère abstrait. De même, j'entends l'idée de doter chacune et chacun de ses capacités maximum de réflexion critique au niveau individuel, mais que pensez-vous de la place ou des rapports de pouvoir que peuvent avoir les citoyennes et les citoyens à l'égard des formes de production technoscientifique qui relèvent un petit peu de l'élément que vous évoquiez tout à l'heure lorsque vous parliez de la recherche participative, mais en incluant la dimension de responsabilité sociale et éthique des scientifiques par rapport au grand public. Qu'en pensez-vous, Madame la Ministre ? Merci, Monsieur le député, Madame la Ministre.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, votre question est large, on pourrait passer plus de 2 minutes, donc je vais la résumer. Alors, déjà, je ne pense pas, et je m'en suis fait confirmer, que la place de la théorie, en tout cas ces dernières années, j'ai connu, je suis plus vieille que vous, mais j'ai connu des enseignements beaucoup plus théoriques que ce que nous avons connu aujourd'hui. Et je pense que la France est un grand pays d'expérimentation, et en particulier l'expérimentation intégrée dans son enseignement. C'est une de ses caractéristiques, qui a cru pendant ces dernières années, et nos enseignements théoriques il y a 20 ans, 15 ans, 10 ans étaient beaucoup plus, théoriques qu'aujourd'hui. Donc je ne crois pas que l'expérimentation va en décroissant, mais par contre on a rajouté de la modélisation, du numérique via la modélisation, ce qui est un outil puissant aussi, et c'est peut-être là où il y a pas des problématiques d'ailleurs pour moi, mais c'est ce dont vous pensez. Sur la deuxième partie qui était... Alors, attendez, je fatigue, je pense. Est-ce que... Rappelez-moi. Oui, pardon, ça y est, sur la science participative et la recherche. Effectivement, je pense que cette recherche participative, pour faire participer en particulier l'usager, vraiment bien identifier les besoins, rendre de plus en plus en compte dans nos équipes de recherche et dans cette recherche qui est de plus en plus, on va dire... Quelqu'un disait aussi, après Montaigne, je citerai Rabelais, « Science sans conscience », etc. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre recherche, avec des comités d'éthique, des comités d'accompagnement, qui regardent aussi les usages, qui regardent les applications, et pour faire de la science quelque chose qui est utile, utile à un bien-être, je dirais, raisonné et raisonnable, dont on a besoin, mais sans surplus, pour nos citoyens aujourd'hui, et puis tous les avantages que l'on peut passer à la santé et toutes les indispensables. Donc je pense que ça fait partie intrinsèquement aujourd'hui de notre science, et c'est ce que l'on promeut, et c'est ce que le ministère, au niveau national et européen, défend. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Nous passons maintenant aux questions du groupe Les Républicains avec Madame Emmanuelle Antoine. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. À mesure que les emplois se numérisent, le besoin en compétences technologiques est croissant. Aujourd'hui, 3,3 millions d'emplois salariés ont une activité principale en lien avec les mathématiques et ce chiffre est appelé à croître. On estime à 13% l'impact des mathématiques sur l'emploi salarié et à 18% l'impact des mathématiques sur le PIB. De nombreux chefs d'entreprise témoignent de difficultés à recruter des profils qualifiés en la matière. Notre industrie a pourtant besoin d'ingénieurs mieux formés pour relever le défi des transitions écologiques et numériques. Les mathématiques apparaissent dès lors essentielles pour préserver la souveraineté économique de notre pays. Le nombre d'élèves qui choisissent d'étudier les mathématiques et le niveau scolaire en mathématiques sont pourtant fonction décroissante des besoins industriels. Le désamour et la perte d'attractivité des mathématiques auprès des lycéens français nous exposent à une perte de compétitivité de la France sur le marché des technologies mondiales. Alors, Madame la Ministre, comment assurer que demain la France reste compétitive dans les secteurs stratégiques et pourvoyeurs d'emplois qualifiés? Et quelles sont vos préconisations en la matière? Merci, Madame la députée. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, c'est effectivement une question sur laquelle, avec le ministre de l'Éducation nationale, on est vraiment mobilisés pour reprendre ce niveau de mathématiques, cette attractivité aussi des mathématiques, et je dirais plus généralement des sciences, quand vous parlez des besoins de l'industrie, et je parlerai du plan industrie verte, on va dire, mais tout ce qui est l'attractivité vers l'industrie que nous menons aussi avec Bruno Le Maire. Alors aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale a lancé en novembre dernier une nouvelle stratégie pour les mathématiques, avec 2 objectifs pour justement élever ce niveau général. Le premier, c'est de réconcilier tous les élèves avec les mathématiques. Nous y réfléchissons ensemble. On a parlé tout à l'heure de la main à la pâte. Il y a énormément de la formation des professeurs des écoles pour le prendre depuis le primaire, parce que je crois personnellement que beaucoup de choses se jouent en primaire. Donc, il y a beaucoup d'actions
directement ou indirectement, que nous essayons de mettre en place et que le ministre de l'Éducation nationale, évidemment, en particulier, met en place. Le deuxième point, c'est faire progresser encore notre niveau d'excellence en mathématiques et en suscitant, évidemment, davantage, on l'a déjà dit, de vocation chez les filles. Au collège, ce sont le déploiement des clubs de mathématiques qui pourront permettre, notamment, de dynamiser cet apprentissage de mathématiques. On sait que ça marche et donc il faut vraiment les encourager. Et là aussi, l'enseignement supérieur, les enseignants-chercheurs, les doctorants pourront être, je dirais, à la manœuvre et utiles et participer à ces clubs de mathématiques dans les collèges et dans les lycées. Pour mieux réussir sur les formations post-bac, les lycéens doivent pouvoir aussi acquérir ce niveau solide en mathématiques. Et donc, à partir de la rentrée, c'est cette heure et demie de mathématiques qui sera réintroduite pour tous les élèves en classe de première générale qui n'ont pas choisi la spécialité mathématiques. Donc, il y aura aussi un module de remédiation qui sera proposé en classe de seconde pour les plus fragiles et plus largement tout le long du parcours scolaire, on aura une attention particulière sur le niveau des sciences et le niveau pour renforcer cette formation scientifique, le décrochage en mathématiques et rendre la pédagogie plus attractive. Nous allons aussi travailler sur cette pédagogie, les livres utilisés dans les classes pour rendre cette pédagogie plus attractive et en particulier pour les filles. Je vous remercie. Merci. Nous passons maintenant aux questions du groupe démocrate avec M. Hubert Hott. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Alors que nous vivons une époque sans précédent marquée par un bouleversement climatique, sait-on véritablement de quoi nous parlons ? Parler du changement climatique, de la décarbonation, de l'effet de serre produit par le gaz carbonique suppose des connaissances socles. En interrogeant nos concitoyens, on constatera que presque personne ne sait que l'atmosphère, c'est 78% d'azote, 21% d'oxygène et 0,03% de gaz carbonique. Le ridicule pourcentage de gaz carbonique ne l'empêche pas d'être le grand responsable du bouleversement climatique, car il est en train de passer de 0,03% à 0,06% ou 0,07% ou 8%. Ainsi, on comprend l'hypersensibilité des équilibres qui régissent les conditions de vie sur notre planète. Un tout petit décalage va être à l'origine d'un grand bouleversement. Ces choses essentielles sont parfaitement en mesure d'être acquises par tous. Aujourd'hui, nous, pour comprendre le monde naturel, pour situer avec justesse le vivant dans son contexte, il faut disposer de cet outil crucial, une culture scientifique partagée par tous, qui seule peut nous libérer des formes modernes d'obscurantisme. En 20 ans, la France est passée du 12e rang au 25e rang du classement de l'OCDE pour les mathématiques et les sciences à l'école. Cette chute de nos élèves exige une réaction forte. Si notre pays se montre incapable d'offrir aux enfants de la nation les armes intellectuelles pour comprendre des choses essentielles, nous mettons en difficulté ces futurs citoyens dans leur quête légitime de liberté, une des valeurs du fronton républicain. Il ne saurait y avoir de liberté sans la connaissance. Lorsqu'à l'occasion, ici même, d'un débat parlementaire, on va jusqu'à entendre un collègue invoquer la radioactivité naturelle pour relativiser la puissance radioactive d'un accident nucléaire, on se dit que le mal est profond. Au pays de Pascal, de Lamarck et Descartes, notre école doit renouer avec l'excellence pour rejoindre les meilleures écoles du monde, car la solidité d'un savoir scientifique constitue la boussole évitant de se perdre dans les croyances faute de connaissances. Que comptez-vous faire pour redonner son rôle premier aux mathématiques et aux sciences, à l'école primaire, au collège et au lycée, où il n'est pas concevable qu'une seule filière ne propose pas un socle minimum d'enseignement des mathématiques. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, je vais pas peut-être vous répéter parce que d'autres questions m'ont permis déjà de vous présenter quelques points. Donc, je voudrais juste compléter ce que vous, une partie de la question auquel je n'ai pas répondu auparavant. Pour les formations, et vous l'avez dit, il est important en fait d'avoir des bases solides.
et des bases solides qui s'appuient sur des connaissances scientifiques. Alors, j'ai déjà dit comment nous allons essayer avec le ministre de l'Éducation nationale et ce qui a été lancé pour renforcer les mathématiques, renforcer les sciences dans la formation des professeurs des écoles, au niveau des heures, amener l'enseignement supérieur via les doctorants dans des clubs, dans les lycées, dans les collèges, la main à la pâte, des maisons des sciences, tout ça. Mais dans la formation de base des hauts fonctionnaires, dans la formation de base des professeurs des écoles, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est que nous impliquons les scientifiques. Et ça, je voudrais insister parce que c'est des choses qui sont peu faites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces fonctionnaires qui sont formés, ces 25 000, ces 2,5 millions, vont être formés en mobilisant les scientifiques sur tout le territoire. Nous avons créé des groupements de recherche sur chaque région, dans chaque territoire, pour pouvoir avoir finalement un référent scientifiques ou un réservoir de scientifiques qui viendront faire ces formations à tous les hauts fonctionnaires, mais aussi participer au niveau des écoles et au niveau des formations. Donc on croit profondément à ce que ces socles dont vous parliez tout à l'heure, scientifiques, soient transmis par ces scientifiques et qu'il y ait ce partage avec et pour la société pour qu'ensuite ils puissent arriver naturellement jusqu'à l'école avec toutes les mesures que je vous ai décrites tout à l'heure. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Le débat est clos. Prochaine séance demain à 9h avec la proposition de loi visant à mieux manger en favorisant l'accès à une alimentation saine, puis la proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait gonflement de l'argile, puis la proposition de loi visant à interdire les vols en jet privé, puis la proposition de loi visant à protéger la jeunesse de la précarité par la solidarité intergénérationnelle, puis la proposition de loi visant à garantir l'accès sûr et tranquille à la nature pour tous les Français. La séance est levée.